t'es là, tu fais oh là là, toi tu vas arriver à ce boss, oh là là, tu vas mourir, bonhomme, tu vas mourir, Bed of Chaos, là t'arrives au Bed of Chaos, tu vas mourir. Là, alors il découvrait le jeu et il passait direct des boss. C'est mon seul jeu sur un nouvel ordi. Avant j'avais la Super NES. Putain, la Super NES, pour nous, ça rend quoi. Il y a pas de boss sur lequel j'ai vraiment beaucoup beaucoup bloqué quoi. Sur à part le bas, moi c'est dans le DLC merde, comment il s'appelle Thorias. Comment Thorias? Non, pas lui. Le dernier du DLC du 1. Merde, comment il s'appelle? Le genre de gros truc qui a une main là. Dans l'ombre. Oh putain. Moi sinon j'ai eu une demi-molle sur le. Ouais, j'ai un peu bloqué. La vidéo de présentation du nouvel add-on de Star Wars The Old Republic. Le jeu m'a fait absolument chier, hein, mais les cinématiques qu'ils font, elles sont absolument. Non, les cinématiques sont vraiment cool. Ah bah, Carrie, comme d'hab, de toute façon, c'est beaucoup de menuing hein, sur H1Z1. Hein. Ouais, on est obligé de partir comme ça, sinon c'est la galère quoi. En fait, Manus. Pour pas faire beaucoup de menuing, il faudrait qu'on soit 5. Oui. Mais on n'est pas 5, parce que ce soir, Helsing, il stream dans son coin. On aura peut-être Yamato hein, ce soir, peut-être plus tard. Hein. Ouais, bah ça dépend à quelle heure il arrive. C'était la clôture demain, de l'APG. Non, c'était la clôture c'est donc. C'est la clôture ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'allais dire un truc, ouais, c'était intéressant, je suis t'allais dire un truc intelligent, mais finalement tu l'as gardé pour toi. Exactement. Merci pour tes conseils, Joko. J'essaierai de faire ça, même si je ne sais pas comment le faire, j'apprendrai. Je t'expliquerai si tu veux, y'a pas de soucis. je suis vraiment mauvais en. Mais très non, mais très, très mauvais. En fait, dans les calques sur Photoshop, t'as sur la droite. Oui, en non, bas, mais ça pour les ombres, je sais faire. L'ombre portée, ok, mais assombrir, je sais pas. Donc ça. Bah, en fait, quand tu cliques sur le calque, t'en bas, toujours dans les trucs de calque, t'as un bouton sur lequel tu peux régler la luminosité et contraste. D'accord. En fait, le truc, c'est que j'aime bien le calque. C'est juste que ce jaune qui attire l'œil. Oui, quoi, c'est la voiture. La voiture, elle nique tout. J'aurais adoré la trouver la même en rouge. Tu peux la mettre en noir et blanc, ou tu peux la passer en rouge. Hein. Faut jouer un peu avec les couleurs. Tu peux, y a des sliders de couleurs, tu peux essayer de. Je me suis déjà cassé les couilles à tout détourer déjà, donc. Le détouring est vraiment bien, surtout sur le truc, t'avais fait un avion avec l'hélice. Ah, mais je peux te dire que sur l'hélice, j'y ai passé un temps, mon dieu. J'ai fait l'effet comme ça, et après, en fait, j'ai fait un blur avec la petite goutte d'eau pour donner l'effet de l'hélice. Et j'en ai chié, et je suis pas peu fier. Ah bah, tu peux, parce que moi, j'aurais dit, bon bah, tant pis, y a pas d'avion. Moi, je tape des mots et je me fais pas chier, quoi. Y a un truc que j'ai envie de trouver de prédécouper, tu tapes render PNG avec le mot que tu veux sur Google, et t'en trouves, mais des milliers, tu vois. Tape avion, War Thunder, alors attends, ouais. Taper avion War Thunder, on va faire l'expérience. Est-ce War Thunder Plane DS3 Thunder, c'est difficile pour un joueur de LOL habitué à 4 touches, bah quand même oui. Oh, c'est pas le même jeu, c'est pas les mêmes styles, on peut pas. Ne critiquons pas, je suis mauvais sur LOL, je ne vais pas critiquer. Ouais, y a pas grand chose de bien découpé. Quand je tape War Thunder. Ouais, mais tu sais, on est jamais mieux servi que par soi-même. Je me suis fait chier à les découper et. Et au moins, c'est ton image. Voilà, et je suis arrivé à un truc propre. 414, on a déjà divisé par 2, le temps de la 290. Pluie, ah putain, je m'en retourne, je caresse mon chat 290, ouais. Je sais, Bria. Je te connais quand même. Non, tu sais, l'image qui m'a fait le plus chier à détourer, c'est le vaisseau de Star Citizen. Je me suis cassé les couilles à le faire, putain. Tu fais ça à la plume? Non. Oh là, fais ça à la plume, hein, tu vas gagner un temps. J'ai fait ça au lasso. Oh là là, le lasso. Ouais. Lasso, zoom au pixel. Et j'ai fait. Avec les pixels qui apparaissent, et j'ai fait ça comme ça. Oh, fais ça à la plume, mon pote, tu vas gagner un temps fou. Mais c'est fini maintenant. C'est fini. Refais-le. Refais-le. Tu t'entraînes. Non mais tape plume tutoriel. Tu vas en trouver des milliers sur Photoshop. C'est super simple en fait. Faut t'en savoir correctement et tu gagnes un temps fou parce que tu peux faire un détouring approximatif et en fait faire une sélection à des pixels près, genre à 3 pixels près. Ouais. Ça te fait un flouté autour qui est très léger. Par exemple quand t'as besoin de faire quelque chose qui est pas forcément très précis quoi. Et tu fais un détour hyper facile en 2-3 mouvements.
D'accord. Et ça te permet de suivre des angles aussi, tu peux suivre des ronds beaucoup plus facilement qu'en faisant un pixel par pixel. Quand tu fais un... Quand t'as un arrondi à découper, des fois c'est la merde parce que t'as envie de faire ça précis pour que ça fasse respecte bien l'arrondi. Bon, l'avantage c'est qu'on les... comme ils sont pas très gros, le détouring est propre et il a pas besoin d'être enfin d'être d'une précision extrême. Et encore mieux si tu mets une ombre derrière, ça je pense que ça ira encore mieux. Le blur a aidé beaucoup, a fait un fondu quand même pas trop mal. Ah, sur le lisse, ouais. Ouais. Nickel. 140. Ouh, 140. Incroyable. Oh putain, oh, putain oui. Et donc on va mourir en moins de 3 minutes. À un moment on sera dans la file des gens qui meurent et qui se retrouvent ensemble. En fait tu sais les soirées bracassées on va pas dire qu'on joue à H1Z1. On va dire qu'on fait du gaming talk show. Voilà c'est ça. Gaming talk show podcast. My god. Ça me fait rigoler mes 3 derniers follow il y a... Yamato FR, Madcard, ISO. Oh putain, ouais. C'est faux. Voilà, moi j'ai mon skin de Borderlands. Je cherche comment on remet cette putain de cagoule. Capuche de merde. Ah, j'ai pas trouvé, ouais. J'ai eu un hoodie d'Halloween, mais j'ai pas réussi à faire là, ce que je voulais. D'ailleurs, j'ai remis la veste en cuir. C'est parti! Non, je suis dans le chargement. Oui, mais t'inquiète. Tu arriveras en parachute. Tu arrives direct en parachute. Hein. Mais c'est pourtant, tu l'as mis sur ton SSD le jeu, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce SSD roumain? Est-ce qu'on va en ville à l'est ou. Bah ouais, hein. On va aller aux maisons, nord est, si on a le temps, hein, de là. Hein. Oula, ouais, on va essayer, ça va être compliqué. Oh si si, j'ai vu où t'étais. T'as fout pas de ma gueule. Get into the chopper. Get into the chopper. Oula, ça va être dur. Oula là, je vais tomber derrière le mur. Putain. Pardon. Bourré ou quoi? Hey, t'es bourré ou quoi? Ah, je t'ai vu Jogo, d'ailleurs, je t'ai vu te manger en toit, on n'était rien. Ouais, non, en fait, c'est pour passer plus vite de l'autre côté, j'ai fait exprès de m'arrêter ouais, sur la ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas... Ouais, on va dire que c'est pas fait exprès. Part of the plan. Du coup, c'était vraiment part of the plan, mais bon. Quoique, il y avait des trucs pour sauter de l'autre côté, j'étais pas obligé de me faire chier, honnêtement. Hello. Hello. Bidi, bidi, bidi. Hello, oui, bonjour. C'est quoi cool. Un sac, s'il vous plaît, bonjour. Oui, bonjour. J'espère. Excusez-moi, je ne fais que passer. Déjà pire, hein. Ouais, les mecs sont chauds direct, quoi. Ils n'ont pas de temps, ouais. Ils s'enjaillent. Putain, la maison vide, quoi. C'est une maison vide. Pardon. C'est... Yamato est pas là pour chanter ce soir, va falloir le faire. Hein. Non. Ouais, ça vient de péter. Ouais, ça t'es tout pété. Plus un point à celui qui a trouvé la référence. Bon, j'ai du scotch, par exemple, ça j'ai mes armes, mais j'ai pas de sac, donc... Hein, à un moment donné, fuck c'est the pas game. Chaud, ouais. C'est quoi ce bruit? On dirait un mec qui tombe en parachute, mais qui est kéblo. Ah, y'a un mec qui est kéblo en parachute, rien. C'est vrai? Il a dû planter. Dites-moi que c'est pas sur un de vous que ça tire. Non, c'est moi qui viens de crever le mec en parachute. Donc t'as pas tué Tupac, t'as tué 20 packs, apparemment. C'était pas Tupac. I killed 20 packs. Oh par putain, contre, ça arrive derrière, parlait... derrière. Ouais, y'a un mec qui parlait et... Oh là là. Oh, attends, on a tué deux. Mais ouais. Casse-toi, attention, c'est en BR5, il doit y avoir encore du monde. Mais je crois qu'il était... Non, ils étaient pas que deux, c'est pas possible. Bah, en tout cas, ils marchaient au milieu de la rue. Au moins qu'ils sont possibles. Alors, Yamato, on sait pas s'il sera là ce soir. Enfin, c'est la fin de la Paris Games Week, il y a peut-être tous les rangements qui doivent être faits, etc. Donc c'est pas... Vraiment pas sûr qu'on le voit ce soir. Peut-être, qui sait, à 23h, il va peut-être débarquer. Il est quand même beaucoup accro à ce jeu, donc... Ouais, il y pense quand il bosse. Ouais.
Et il pense qu'il bosse. Bah du coup on peut les looter, c'est bien. Military backpack ici si quelqu'un a besoin. Bah si personne, tout le monde a équipé, je veux bien. Bah attends, je le ramène. Je récupère des plus. Vas-y. Moi je veux bien un Kevlar, quand tu le trouves tu me le laisses. Hein. Derrière toi, Matt. Attends, ma souris vient de se déconnecter. Attends, moi je vais te le laisser dans la maison. Hop. Voilà. Timir, tu peux prendre les balles d'air. Pourquoi il me fait une sachet alors que j'ai cliqué sur le... Putain mais what the fuck. Pourquoi il m'envoie aux Seychelles? C'est nul. C'est nul. On va rester dans le Poitou. Oui, ça fait 3 minutes et on n'est pas mort. Wouhou. Et on a même tué des gens. C'est encore pire. Bon, toi, t'as tué un handicapé, ça compte. Oui, bah, je l'ai pas raté. C'est déjà pas mal. C'est déjà un énorme progrès, soyons clairs. Hein. J'ai mis toutes mes cartouches sur lui. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai pas regardé si... Bon, sinon, on est une voiture. Hein. Oh, pas de l'autre, ok. On est une voiture? Oui. Ah bon, bah, on se casse. Je vais juste faire la maison qui était à côté de la voiture. Et après on se casse ou il se casse. Hein. Alors... Oh, des cartouches. Cartouches. Ah, mais toi t'as été loot ici, je me merde pour rien. Des cartouches de fusil à pompe. Cartouches, hein. Mais tu es handicapé, jeune personnage asiatique. Je peux pas sauter une petite barrière alors que je suis sur une table. Attention. Voilà, merci. J'aurais pas dû faire un perso asiat. Ça. Les jaunes ne savent pas sauter. Non, mais surtout que je suis en cuir, donc le mec il a du mal, c'est pas souple. Bon, on se calme. Ok. Non, mais sérieusement, on prend la voiture et on se casse ou pas? Ouais, je fais une dernière baraque. Un Colt, parce que j'ai quand même besoin d'un Colt. J'aimerais bien un Kevlar, ça serait cool. Je sais pas sur quoi faire des bandages maintenant. À chaque fois j'oublie. Ah bah voilà! Un Kevlar, merci! Salio! Cet homme trouve des Kevlar! Je sens comme de la jalousie! N'est-ce pas? Du coup, je bouge plus de ma maison, j'attends que tu viennes me chercher, moi. Oh! Allô? Oui, il faudrait que tu viennes me chercher. J'étais ton serviteur, quoi. Stéphanie, elle m'a fait un faux plan et je suis tout seul à la fête et il faudrait que tu viennes me chercher. Ah bah, Bri Aero, ça a toujours été au point la physique des bagnoles dans ce jeu. Mais au point mort. Au point mort. C'est là où j'ai posé mon truc, je suis demeuré ou quoi apparemment? Where are you guys? Putain, mais vous éloignez de moi en fait, je vois plus qu'un seul point. Je fais un boucan monstrueux. Get the car! Oh, y'a un mec derrière! Ah, et, oh, voilà. Et voilà, oh, voilà, et voilà! Je suis mort! Putain, les mecs, voilà. Sérieux quoi! Mais pourquoi tu fais du bruit avec ta voiture comme à demeurer? Évidemment que tout le monde vient vers là où on est, putain! Non, c'est pas ça surtout, c'est surtout que vous faites les touristes depuis tout à l'heure alors qu'on a dit qu'on partait. C'est surtout ça! Mais je fais pas les touristes, moi j'étais en train de visiter la maison vu que tu ramenais ta voiture! Pardon, papa. Bon, au moins je suis mort dans la voiture, vous allez pouvoir looter tout ce que j'avais. Non, mais je suis mort aussi. Il est vers le... dans la rue. Il est sur mon cadavre. Cadeau. Il viole ton cadavre. T'as galère à le tuer, hein? Hein? Il était tout seul en plus! Mais oui, il était tout seul. C'était un des mecs qui restait des groupes qu'on a kill tout à l'heure. le bâtard. Comme d'hab, surtout, vous baladez la fleur au fusil. On avait dit on se barre. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui se font kill quand on dit qu'on se barre. Le mec qui fait le boucan avec la bagnole! Il se fout de ma gueule, n'est-ce pas? Vous aviez qu'à pas perdre votre temps, c'est tout. On avait dit qu'on se barrait il y a 10 minutes. Il y a une heure, on a dit qu'on partait.
Mec, il y a 3 heures, on avait dit qu'on était en train de partir du quartier. On dirait des vraies gonzesses. Sérieux. C'est fort. Donc, je vais aller chercher la merde, hein. Et mourir. T'avais des trucs sur toi, putain, mais mec, vous étiez refait en plus. Bah, j'étais refait de vous. Vas-y, moi, je suis une vraie boîte à pharmacie, là. C'est parti. Ah, mais y'a des gens là-bas. Faut que je cherche comment mettre cette putain de capuche. Je vais voir ce qui se passe sur ton stream. Hein. On va chercher la bagarre. La castagne. Où est-ce qu'ils sont, bordel? J'entendais tirer, je vois personne. Put Woody back à chien Zedin. Aïe. How to put your up in a chien Zedin. Une vidéo de 0,39 secondes. Putain! Ce serait pas arrivé si vous avez pas fait les touristes. Les touristes. Ah, faut drop et rééquipe en fait, ok, d'accord. D'accord, c'est, en fait c'est utiliser un bug quoi. GG Daybreak, je suis dans les menus. Vous pouvez m'inviter ? Ah bon, on est toujours dans... Ouais, je suis là, c'est bon. Vous êtes dans les menus ? Ouais. Oui, oui, oui. Ok, let's go. Ça va, quoi ? Alors oui, la politique. Se voit. Putain, 1400, mais arrêtez de jouer au jeu, les gens, là. C'est nous le bordel, quoi. Ça joue des serveurs, surtout quand t'as 1400 personnes, tu peux rajouter au moins 4. Non, mais il serait capable de tout casser en rajoutant des serveurs. Laisse-les d'abord un jour rajouter le mode spec. Non, mais il rajoute 5 serveurs, c'est bon. 5. Juste 5 serveurs. Ne serait-ce que ça. Mais ça fait beaucoup. Tu leur en demandes beaucoup. Mec, ils te sortent un patch. Le jeu, il marche plus pendant une journée. La dernière fois, regarde, dernier patch. Le patch, il faisait 100 mégas. Le jeu, il marchait plus. Ouais, c'est... Je me rappelle quand les mecs, ils faisaient des mods sur Arma avec lesquels je jouais. Il y avait des développeurs de la team du serveur sur lequel j'étais. Les mecs, ils faisaient des mods, mais méga complexes. Ils avaient un serveur de test et tout pour dire à quel point c'était poussé, quoi. Et les mecs, ils faisaient leurs tests, etc. On lançait le mod. Allez, il y avait 20 minutes à laquelle il y avait un peu quelques bugs. 20 minutes après, c'était corrigé, les mods étaient sortis, ils marchaient, ça fonctionnait, y a pas de problème. Des mecs qui font des mods à 2-3 personnes, tu vois. Imagine une équipe, ils sont combien? Ils sont au moins 4 dans des breaks. Au moins. Je sais pas combien ils sont, honnêtement. On va regarder.
Daybreak. Daybreak Games et qui? Ils ont été fondés il y a 18 ans, donc c'est pas tout nouveau non plus. Hein. Ils ont quand même fait EverQuest, donc je pense qu'ils sont beaucoup quand même. C'était annulé en mars, ouais. En fait, il n'y a aucun de leurs jeux qui a fonctionné. Mort de rire, quoi, à part EverQuest 2, quoi. Mmh. EverQuest, alors... évidemment. Ils ont à l'heure actuelle 49 offres d'emploi, donc je pense qu'on peut tabler sur le plusieurs centaines de développeurs. Mmh. Quand t'as 49 offres d'emploi, en effet, en général, c'est que t'es pas trop mal. Ils payent bien, les salauds. Ouais, mais il faut des compétences. Ouais. Je sais pas, tu vas pas arriver, tu vas faire « Bonjour, je suis Matt Avu, je suis le tout premier joueur français à les bras cassés. » C'est ça. Alors, j'ai une bonne nouvelle, je n'arrive pas à revenir sur le jeu. Ah ouais? Ne jamais faire de retour. Voilà. Non, mais, il faudrait que tu le passes en fenêtré, surtout. Non, dans les performances moindres, ça va pas, non? Non, mais en fenêtré plein écran. Oui, mais les performances sont moindres. Ah bon? Moi, j'ai pas de problème. Bah, non. Forcément, tu peux. J'en ai moins maintenant. Hein. Si tu joues sur une GTX 460. Non, je joue sur une 1080, mais ça n'empêche pas que le jeu est optimisé avec le cul. Attends, mais tu joues sur une 1080, attends, tu joues sur une 1080 et ça te crée des problèmes de performance. Des fois, le jeu, il a du mal à 60 FPS, hein, on déconne pas. Hein. Non, mais moi, j'ai assumé le fait que ce jeu, de toute façon, ne tournerait jamais à 60 FPS. Tirez-vous de la queue. Le jeu a pas voulu. Lâchez-vous la queue. Lâchez-vous la queue. Il est mort de rire de ses propres conneries. Mais totalement. Il est fier. Putain, mais fait chier, quoi. Ah, quel jeu optimisé. Tu dois plus toucher à ton jeu, tu sais. Tu lances le jeu, tu ne touches à rien, tu laisses le jeu se définir. Va falloir me réinviter, au fait. Hein. Non. Là, tu me dis quand t'as lancé le jeu. Tout aussi simple que ça. Je fais la sélection de perso, vas-y, balance l'invite. C'est fait, normalement. Ouais, c'est fait, c'est en train de charger. J'attends avant de cliquer. Vas-y, go. On s'en tapait 2000 personnes. Bam, c'est pas comme si on était à 500 au moment où ça a planté, quoi. Ouais, j'y peux rien, hein. Merci, l'ami 80. Et ouais, tu serais pas en train de te foutre de ma gueule? Non. En streamant avec la 1080, le jeu il est pas à fond. Hein. De quoi? Et je suis pas à 60 FPS. Hein. Moi je suis jamais à 60 FPS, même quand je stream pas. Je n'ai vu absolument aucune différence entre le moment où je stream et où je stream pas sur ce jeu. Après, c'est ton processeur multicœur. T'as 10 cœurs dans ton processeur, non? Ça, non, c'est 8. Je sais plus, le 6700, il y a quoi? Le 6700K, par contre. Je sais pas ce que... Ouais, 6700 cœurs, non? 6000... C'est il ça, en a c'est beaucoup. Le cas, c'est pour cœur. Non, je crois qu'il y en a 8, donc 16 au total, hein, avec les trades. Donc du coup, c'est pour ça que c'est bien pour streamer, quoi. T'as moins de perte de performance. Non, le cœur, pour le coup, ça joue, là, à ce niveau-là. Mais... moi, j'ai un 4770. Ouais. C'est pas non plus gigantesque, quoi. Le processeur, là, dans le lobby, je suis à 67%. Avec le stream lancé. Non, mais après, le truc, c'est que de toute façon, il faudrait 2200. Déjà juste avoir un jeu fini, correctement, et pas à l'urine. Et déjà, ça aiderait beaucoup, tu vois. Bah, le problème, c'est que... Pour occuper à faire des hoodies. Ce genre de truc, il faudrait le redévelopper de... partant de zéro.
Parce que là, je pense que t'as plusieurs surcouches de merde, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Et tu, la seule chose que tu puisses faire dans l'état, c'est rajouter des surcouches de merde ou repartir. Ils ont refait leur map et tout, ils ont même reparti déjà, l'interface est plus même, ça a été complètement changé. Mais oui, ils ont tout changé, ça marchait très bien, ça laguait pas avant. Ils ont voulu faire de la merde et puis ils ont fait de la merde. Voilà. Ils auraient dû juste changer la map et pas rechanger leur menu. Les menus, c'était très bien avant. C'était très clair, c'était très sobre et ça laguait pas. Le menu de l'intérieur du jeu, je le trouve mieux maintenant, par contre, hein, honnêtement. Non, mais ah, tu veux dire l'interface à l'intérieur du jeu? Oui, le HUD. Ouais. Bah oui, le HUD, ça, à la rigueur, ok. Mais le menu, ou à la rigueur, le menu, là, dans lequel le menu on est, a chier, le menu, il pouvait très bien faire le même menu sans nous sortir ce putain de fond où c'est l'arène, tu vois. C'est-à-dire, il est obligé de te charger la map. Fait chier quoi. Non, il te charge le lobby ouais qui est pourri et il te charge pas le. Il te montre pas les personnes qui t'es groupé de base partout sur l'écran. Et surtout en plus il te casse les couilles à charger le lobby quand t'arrives là-dessus. Et quand tu vas rentrer dans le lobby, faut qu'il recharge le lobby encore. En fait, il fait n'importe comment. Je comprends pas ce principe là. J'avoue, je comprends pas. Non ouais, y'a rien à comprendre. Je me disais, même l'alpha de Star Citizen aujourd'hui est mieux optimisé que ce jeu. Ah bah ça, de toute façon, ils ont une équipe, ils ont du budget supérieur, hein, et c'est assez chelou quand même. Oui mais non, mais le truc c'est que, entre guillemets, Star Citizen, l'optimisation n'est pas le but aujourd'hui. Bah ils y sont pas encore. Ils l'optimisent un petit peu pour que tout le monde puisse y jouer, tu vois. Ouais. Quand le patch sort, il est dégueulasse. Enfin, les mecs qui ont des très gros PC peuvent y jouer. Et après, en fait, dans les semaines qui viennent, les mecs ils le peaufinent un petit peu, ils le lissent un peu pour que les gens puissent jouer avec. Mais même ça, tu vois, je veux dire, ça reste une alpha. Il y a toujours des bugs, des plantages, ça peut arriver. Mais le jeu il tourne. Tu vois. Ouais. H1Z1, le nombre de fois où on est obligé de Alt F4. C'est assez ridicule. C'est... Mais on a des Audi. Et surtout pour un jeu qui est en early access depuis quoi, 4 ans 3 ans Je t'ai dit, il sortira 18 jamais. 18 ans, non? Mais il se fout de la gueule du monde. Après qu'il est en early access depuis 3 ans et là il nous sort. Non mais l'early access, c'est l'arnaque. Il sort de l'alpha pour aller en early access. Bah non, mais c'était déjà une early access ton jeu de merde. C'est ça qui est pas logique. Les mecs ils te disent que c'est passé en early access alors que c'en était déjà une. Quoi. Non mais c'est juste sur les termes, c'est comme les alphas, c'est pas une alpha, n'importe quoi, ferme-la quoi. Là le statut du game c'est bêta, fin de bêta, faut juste corriger les bugs et tu peux sortir ton... C'est ça. Le problème c'est qu'ils corrigent pas les bugs. Quoi. Bah disons que oui, des caisses, aujourd'hui quoi. Par exemple Star Citizen est une alpha parce que le jeu est clairement pas fini, toujours en développement, machin, enfin... Il y a même pas le... Je veux dire, t'as même pas la map finale du truc quoi. C'est... Alpha, ça serait dire que c'est le projet global, c'est-à-dire que le début, milieu, fin de ce qu'on voit, de ce qu'on peut faire, est pas encore fini. C'est ça. Pour moi, hein. La bêta, c'est la réalisation de ces projets-là. Voilà. C'est en gros, ils sont en alpha et ils passeront en bêta quand la map entière sera sortie et qu'il faudra peaufiner le truc. Bon, c'est ça. Non mais puis H1Z1 à une époque ils avaient un but et puis ils l'ont changé en plein milieu surtout. Et à un moment ils avaient une idée, ils y étaient, puis après ils ont décidé de changer la map. Les mecs ils se sont dit... Moi j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs maps, moi ça m'irait. Les mecs ils se sont dit ouais on n'avance pas assez, machin, et aujourd'hui les graphismes ils sont dégueulasses par rapport à ce que c'était il y a 3 ans. Bah ouais, mais il y a 3 ans t'avais qu'à faire ton taf. Ton jeu il aurait pu être fini à l'époque. Il pourrait faire plusieurs maps s'il voulait. Hein. Ce serait pas une si mauvaise idée. Alors on demande pas trop. Déjà qu'il nous file un mode spec qui fonctionne. Ouais. Nous oblige pas à Alt F4. Ce sera déjà un bon début, comme on dit. Putain, d'ailleurs, tu sais le glitch sur FIFA là. Aujourd'hui j'ai joué des gens qui l'utilisaient pas. C'était cool, j'ai pu finir des matchs. Quel glitch? Il y a un glitch sur PS4 qui fait que tu peux causer une fausse déconnexion en fait. Et donc tu fais croire au serveur que les deux joueurs, c'est leur adversaire qui s'est déconnecté. C'est-à-dire si t'es en train de mener au score, ça te compte une victoire et l'autre ça lui compte pas une défaite. Ouais. Ah, il y avait un... Moi j'ai sur PC.
Mais il y avait un truc, genre, c'était sur le 13. Ah oui, quoi, sur PC, oui, le glitch de ouf, là, celui où tu jouais même pas le match et ça te donnait les points quand même. Ouais, ça c'est n'importe quoi. C'était injouable. Et il y avait encore un autre truc où, genre, je sais pas comment ils faisaient, des mecs, mais en gros, j'étais en train de taper un mec, et genre, d'un coup, tu sais, ça faisait le bug. Mais genre, ça te déconnecte pas, juste, ça fait planter, hein, on va dire, le match. Oui. Et c'était au premier qui quittait la game qui avait la victoire. Ouais. Non mais ça me rendait ouf, ça. Et là en fait, ce week-end, ça me saoulait parce que j'arrivais pas à faire un match en entier en fait. C'est-à-dire quand tu marquais, le mec il se déconnectait. Quand tu prenais un but, le mec il se déconnectait. Et tu fais non mais sérieusement quoi. Respectez-vous un peu. Ça c'était Street Fighter. Il y avait le truc aussi pendant longtemps sur le mode online. Tu sais, quand tu quittais le match avant 5 minutes ou 10 minutes de jeu, ça a annulé. Non, ça c'était fait exprès au début en fait. C'était fait exprès parce que c'était pour expliquer si ça lag, t'as un temps pour te déconnecter. Oui. Ça ils l'ont enlevé parce qu'il y a des mecs qui en abusaient quand ils prenaient un but dans les 5 premières minutes. Bah c'est ça. Tu savais que dans les 5 premières minutes tu devais pas marquer sinon. Non, mais moi j'avais dit, tu fais un truc simple, la déconnexion elle marche pas. Tu mets 5 minutes ou un but encaissé. Et si le mec il encaisse un but, c'est mort. Oui, voilà. Là, ça doit pas être compliqué à coder, merde. Non, c'est juste une condition à rajouter. Et le truc c'est, ouais, mais c'était une plaie ce week-end, c'était une plaie. Et j'ai réussi à faire donc une draft entière aujourd'hui où, bon, à part le dernier en finale qui s'est déco, mais en même temps, vu ce que j'étais en train de lui mettre, j'ai compris pourquoi il était parti. mais le mec en demi-finale de la draft, oui, j'ai cru qu'il allait le faire à la déco, franchement. À 15 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0. Le match s'est fini à 8-4. C'était un festival. les maisons sud-sud-est. Sud-sud-est. Donc ouais, c'était une vraie boucherie, quoi. J'avais jamais mis autant de pions sur un match de FIFA depuis longtemps, quoi. Sur celui-là, à la sortie, j'ai mis un 9-0 à un mec. Putain, ça cogne. Ouais, genre, c'est de gagner, celle-là. 9-0, tu ranges la manette, quoi. Jogo, on va essayer de quoi? Gagner. De gars quoi? C'est quoi, gagner? C'est un mot verbe même qui définit verbe du premier groupe définit un statut de victoire. De victoire. Oh, vous êtes trompé de maison, monsieur. Vous pouvez changer s'il vous plaît, merci. Mourez pas trop vite. Ouais, bah, la bonne, moi il y avait un Kevlar dedans. Ouais, bah fais gaffe parce qu'il y a 3 mecs qui étaient dans la rue. Hein, donc, Ouais, qui avait une voiture de keuf dans la rue. Donc. Il me faudrait un petit sac à dos, s'il vous plaît. Demande à Dora. LOL! Ah ben voilà. Voilà. Suffisait de demander. Ben oui. Sacre Dieu. C'est ma maison, ça. J'avais prévu d'y aller. Mais... Hein? Un nigga in the big house? Pardon. Oui, mais moi, j'allais pas partir de l'autre côté. Franchement, c'était risqué, hein, parce que tous les mecs qui sont là-bas... Ben, sois un homme, hein. Sois un homme, ouais, ok? Ouais, bien sûr. Et je meurs rapidement, et puis voilà, quoi. 15 minutes d'attente pour une minute de jeu, quoi. On a l'impression d'être dans une attraction de Disney, quoi. Wow, ça tire! Placé où d'ailleurs? Bah de l'autre côté, moi j'allais dans le sens. Ah d'accord. Hein. J'allais pas où ils sont eux, hein. Je suis pas fou non plus. C'est tracé, hein. Tu sais quoi, on oublie un truc. Dans ce jeu là, le but c'est pas de tuer tout le monde, c'est d'être le dernier debout. Ah mais j'avoue, hein. Pour gagner, faut faire la. Ça peut aussi. Faire la fougère. La fougère si chère à Gonatron. Mais ils ont viré les fougères pour qu'on puisse plus le faire, quoi. Je peux avoir une AR, s'il vous plaît? Mais ça dépend combien vous payez. C'est bon, mais il suffisait que je la demande. Salut négatif, comment ça va? Je me rends compte que j'ai trouvé que juste une AR avec 60 balles. J'ai trouvé deux AK, moi, depuis le début.
Je suis en train de me déplacer vers Jogal. C'est qui ça? Bah toi. Ah non, t'as changé de barre. T'es en train de faire les maisons qu'on a déjà fouillées en fait. Bon, elle est tellement bien fouillée qu'il y a encore de l'autre. Ah non, d'accord. Ah oui, t'es encore de l'autre côté de la rue. Ok. Ouais, par contre, moi j'étais en train de te rejoindre là-bas. Ok, LM. JPP des toits. Putain, j'ai 4 duct tape quoi. Oui, une voiture au milieu de la rue, une voiture de oui, police. Non, mais elle a déjà été, réquisitionnée. Il y a des mecs au à l'ouest. Oui. C'est okay. Eux qui m'ont réquisitionné. J'en ai vu au moins un. En effet. Vous en avez vu 5 vous? Il y était 5 Moi, j'en ai vu 2 tomber au début. C'est tout ce que j'ai vu. Mais ma foi, ça va, négatif. Dimanche soir, demain je travaille pas, tout va bien. En plus, demain, mon bébé sera chez la nounou, donc moi, demain, je m'en bats les couilles. Putain, 5 duct tape. Eh vas-y, il me faut des grenades, des flèches et un arc. Viens vers nous, attention. Non. Ils sont où? Non, ils ont continué. J'entends pas la voiture. Ils ont continué tout droit. J'entends, ouais, mais je sais pas où ils sont. Ouais, mais ils sont partis en ville. Ouais, ils sont de l'autre côté de la barrière. Ouais, ils sont de l'autre côté, d'accord. Ouais, je les vois. Ah, ils sont descendus. Il y en a un qui est descendu. Ouais, il me semble bien aussi. Hein. Ou alors, il est remonté direct. Mais... Non, pas en mouvement. Ouais, c'était un bug, bon, dans tous les cas. Une maison à looter. Ah ouais, j'avoue, Carrie. C'est vrai que j'ai pas dit. C'est vrai que j'ai looté du duct tape et j'ai pas fait ouh. Ah, c'est pour ça que j'ai rien dit. On tombe pas. Duct tape, faut dire la bonne manière. D'ailleurs, duct tape. Pas mal. Nous entrerons dans la bande à duct tape. Bon, est-ce qu'on va en ville? Ouais. Bon, on se regroupe alors. Yes. Je fais des bandages. J'arrive tout de suite. Putain, j'ai 6 rouleaux quoi. 6 rouleaux de scotch. Non, mais j'ai augmenté le taux de drop depuis quelques temps. Let's go. Par contre, faut pas trop se séparer en ville, les mecs. Wow, la petite caméra café. Voilà, des potes d'ailleurs. Crête des casques. Ouais, des balles de magnum. Mais j'ai un chat le plus inactif ce soir, dis donc. Bon, les miens, ils dorment un petit peu aussi, là, ils se réveillent pas, quoi. Réveillez-vous, on sent. Réveillez-vous, le lune pipe. Bonjour, Saint-Denis. Tu ne traites pas si je faiblis. N'est-ce pas? Parce qu'on est dans la zone aussi, on n'est pas loin. Va falloir descendre un peu au sud, quand même, mais... Bon bah ça va, j'ai un Kevlar en plus. On est bon. Ouais, j'en ai laissé plein des Akas sur mon chemin, si j'avais su que t'en voulais une, je te l'aurais dit. Jamais les Akas, je les prends jamais. Non. Par contre les balles sont dans les chiottes. Et... Et Heroes qui me host gentiment. Genre il stream pas. Il se dit si jamais des gens passent sur ma chaîne, venez voir les bras cassés faire de la merde. Non. Venez voir les bras cassés faire ce qu'ils savent faire de mieux. C'est-à-dire de la merde. Bah regardez, venez voir les bras cassés jouer à des jeux vidéo. C'est ça. C'est tout.
Bras cassés Inc. C'est bon, t'as décidé de ton nom de... J'ai pas encore. J'ai pas tranché encore, je réfléchis. Bras cassés Inc, moi je suis déçu maintenant. C'est... Pourquoi ? Tu m'as vendu du rêve. Qu'est-ce qui m'a fait des dégâts ? Une mouche ? Je suis passé à travers une porte, j'ai pris 2 dégâts. Tu vas avoir bras cassé prod ou une. T'as moustique qui m'a piqué. Entertainment. C'est moustique m'a piqué, j'ai perdu 2 HP, tu sais. C'est... Il t'a sucé le sang. Dis donc, reste poli s'il te plaît. Hein ? Je vais au supermarché. Je suis sucé sur ton stream, moi. Y'a un Kevlar encore là, j'ai pas de place. Qui c'est qui est dans les toilettes ? C'est moi. Ok, quand tu sors, tu diriges vers l'est, le gros immeuble, plusieurs étages, devant lequel je suis là, il y a un Kevlar au premier étage à gauche. Enfin, au rez-de-chaussée à gauche. Faut pas le louper. Moi, j'en ai pas besoin. Mais il faut, il en faut deux. T'as déjà 2 Kevlar ? J'en ai déjà 2. Ok, d'accord. On est bien. On craft un deuxième, trop loin. Un Kevlar, c'est mieux qu'un makeshift, hein. Je préfère prévenir, hein, au cas où. Oui, mais bon, vous êtes loin, faut que je retraverse la ville. En même temps, Kevlar, makeshift, je meurs toujours aussi vite. Donc, j'ai jamais eu l'impression que le Kevlar m'avait sauvé la vie, tu vois. C'est... Pas beaucoup de balles d'air. Évidemment, mais. Qui c'est qui est dans les toilettes ? C'est moi, s'il te plaît, lave-toi les mains avant de sortir. Faut obligé. Duct tape ! Wouhou ! Non, on refait parce que c'était pas bien. Duct tape ! Wouhou ! Ouais. Mieux, mais toujours pas terrible. J'ai trouvé un autre gilet pare-balles, c'est peut-être dans le. Ah, mais t'es loin. Je suis juste à côté. Non, t'es loin. Oh, t'es loin, il faut que je marche. Ne sais-tu pas que je suis une grosse feignasse? N'est-ce pas? Tiens, il va mourir en plus. Wow, on tire dessus, là? Hein? C'est sur toi qu'on tire? J'entends des tirs. Ouais, mais c'est pas sur nous, en tout cas. D'accord. Sinon, ça vous dit pas qu'on bouge vers le sud, en fait? Ouais. Parce qu'on est juste on pas dans la zone, en fait. Le sud. Tendu en temps. T'es mignon, Briaros. Qu'est-ce qu'il a fait, encore? Le jour où j'aurai assez d'abonnés pour pouvoir faire un giveaway d'une GTX 1080, on se rappelle, quoi. Bah, tu veux lui une promesse maintenant? Ou ça, il va se démener pour que tu puisses avoir des abonnés, tout ça, tout ça. Voilà, déjà 6 mois, j'en ai 1080, ok, tu vois. Putain de hoodie que j'ai, quoi. Voir quelque chose, non. J'ai pas de giveaway de prévu pour l'instant. Hein. Moi, j'ai prévu de faire un stream avec giveaway dans le nom. Avec une commande de giveaway de Nightbot où ça met non. Voilà. Mais giveaway, huge giveaway, come, follow for the giveaway. Et après, quand il tape la commande giveaway, bah ça met juste no. No. You lose, tu sais, genre comme les trucs. La webcam, de... je mets une jolie femme. Comme, les attrape-pigeons là, tu sais. Ah, tu vas sur Chatterbait, tu restream l'image. Il y a une voiture nord-nord-est. Non. Voiture nord-nord-est, au moins 2 mecs nord-nord-est. On est trop loin de toi, là. On a couru vers le sud, hein. Pour ça que tu suivais. Bah, j'allais vers le sud, mais je suis juste dans un immeuble. Hein. Je sors de l'autre côté. Nord-nord-est. Ouais, ils sont dans la rue. Ça casse des bras. Le désimmeuble. Oh, Yamato est arrivé. On n'était pas sûr que tu venais ce soir. Ouais, vous tournez le dos exactement à l'endroit où je dis où il y a des méchants et vous tournez le dos. Non, mais parce qu'on te suivait. Je savais pas non plus. Eh bah écoute, c'est pas plus mal. Tant mieux si tu es là. Ouais, y a une voiture avec un mec au volant.
Il bouge vers nous. Niquez-le. Ouais, il bouge vers nous. Niquez-le. Ah oui, je vois un mec qui court et qui saute là-bas. On y va ou pas? Faire les bâtiments. Non, on est mal placé. On est très mal placé, on peut pas prendre la. Si on veut les embouches, faut qu'on les embouche bien. Mais guerre. Ouais, j'aime bien la bagarre. Toi, en fait, il faut se mettre dans une vraie belle position d'embouche pour bien la fail. Ma grosse suis. Et une fois qu'on aura bien fail la position d'embouche. J'entends Bush, je pense à Jeb Bush maintenant, le candidat à la présidentielle américaine, qui à un moment donné dit quelque chose et après il dit please applause. Son public. Ça m'avait fait trop rire quoi. Please applause, n'est-ce pas? Alors. Applause my joke. Please. Applause my joke. Il manque. Oh, il manque des. Putain, les cartouches. Bon, Ego, sud-est directement, on va se prendre le gaz dans 50 secondes sinon, donc autant se déplacer. Ouais, non, mais il joue avec l'extinction du moteur, donc va falloir vraiment être careful. Faire le tour du mur, c'est plus safe. Be careful, my friend. Oh, ça tire. Iso, dépêche-toi. T'arrives. Ça va me tomber dessus. Ça sent pas bon pour mon cul. Mais qu'est-ce que tu fous avec un arc? Dis pas que t'allais faire cette putain, mon chien, bras cassé. Non mais j'avais 6 duct tape. Tu crois que j'allais me faire que des make shift avec ou quoi? Je me suis fait 15 flèches explosives. On n'a pas de véhicule, donc maniez-vous le cul, on va sud-est. On y va. J'entends des coups de feu. Putain, de sirène beaucoup trop forte. Ça tire à l'est. Ouais. Il y a un mec qui a posté une photo avec un gamin en fauteuil roulant, un mec, un rappeur connu, et son hashtag c'est tous unis pour vaincre les handicapés. Ça, mec, je crois que tu t'es trompé. Je crois que tu t'es grave trompé. Non, c'est la guerre dans la forêt là-bas. Bah, on est en BR5, forcément. Quand ça tire, ça déconne pas. C'est de l'autre côté de la route à l'est, donc. Mais qu'est-ce que tu. Mais t'inquiète, ça grillera pas notre position, ça va leur péter. Ah, ouais, non, mais pas du tout. T'sais. La fusée de détresse, t'es. Ah, mais tellement, quoi. Il regardait pas par là. T'aurais tué un mec, mais ça aurait été. Ça aurait été fantastique. En fait, j'ai découvert, Iso il veut pas gagner, non. He just want to watch the world burn. Exactement, et là c'est pour nous. Non, c'est un peu plus loin. T'es sûr? Ok. Ouais. Alors, on va faire qu'on je cherche courant. Une voiture.com. Non, c'est Aramis Auto. Oh putain. D'arbre en arbre. Le sponsor LDLC il me rapporte quoi? Ah, rien. Voilà, ça sonne pas comme réponse. C'est pas un sponsor LDLC, c'est parce que je fais partie du groupe LDLC depuis que j'ai fini ma carrière de joueur en fait. Mais ça fait 6 ans que je suis chez LDLC. Since I was born, I was in LDLC. Ouais, par contre, ouais. Non, gaffe. Pas pour nous. Par contre, eux ils sont pour nous. Ça tient derrière nous, ouais, dans la bagnole, ouais. J'ai l'impression que ça tapote en face aussi. Ouais, il tire pas sur nous en fait, mais il tire sur des gens. Mais je crois qu'ils nous ont vu parce que le mec il regarde droit à moi. Hein. Il tire sur des gens. Non mais le mec il fait des tirs, il pense que sa flèche elle va faire 700 mètres. Et regarde. Bah elle en est loin. Hein. Ça vient sur nous je crois. Bien sûr. Confirmé, ça vient sur nous. Donc go dans okay. La forêt. Pas assez rapide. Il y avait deux voitures hein, je crois. Je lance un. Ouais, il y en a que ça a arrêté droit devant. À gauche là-bas. Mort. Ouf. Tu l'as séché lui. Putain, je suis chien. Voiture derrière. Putain. Oh ouais, non mais. Bah oui, je t'ai dit, il y en avait deux. Ah non mais on peut. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me faisais tirer des deux côtés quoi. Non mais je t'ai dit qu'il y avait deux voitures. Oh là là, il y en avait de tous les côtés. J'en ai fumé trois. Ah mais le BR5 à 3, c'est trop dur. C'est l'enfer, on va avoir Yamato, ça va aller mieux. Ah, là, il y avait vraiment un concours de circonstances. Non, mais deux équipes qui nous mettent la dose. On leur a mis cher quand même. En tout cas, le mec est sorti de sa bagnole. Ouais. L'autre à côté de l'arbre, ce que tu lui as mis. J'ai tout à fait le respect j'ai vu de son anus. Sa tête, hein. Elle a sauté comme un bouchon. Qu'est-ce que c'est, quelle est cette arme que j'entends?
du Joko. Ouais, c'est ça, négatif, ouais. Je vais offrir des 1080 parce que j'en ai déjà deux en SLI dans mon PC, ouais, bien sûr. Putain, j'aimerais bien en avoir autant, putain. Là, j'ai regardé Wanda monter un PC à 7 300 € cet après-midi. Rien que la carte mère, elle valait 600 et c'est, comme pour les rillettes, c'est ça, nous n'avons pas les mêmes valeurs. 2000 € le processeur, 2 GTX 1080 Asus Strix OC. Truc qui n'a pas de sens, quoi. C'est un truc de malade. Juste pour se la péter, quoi. Ah, mais c'est, non, mais le pire dans tout ça, c'est que pour un youtubeur, il a donné son nom. J'ai regardé la chaîne YouTube du mec. Le mec, il fait du Minecraft. Ça lui sert à rien, quoi. C'est à chier par terre, en fait, en plus, ce qu'il fait. Oui, c'est... Je t'ai invité Yama normalement. Tu l'as regardé toi aussi Yama, toi, le mec ce qu'il faisait le banano, ouais, je sais pas quoi. Je vais mourir de façon héroïque. Et donc je regardais, je dis attends, le mec il prend un PC avec 2 GTX 1080. En fait il veut un seul PC pour streamer. Ce qui est complètement con, si tu veux streamer à la limite, si tu peux mettre de l'argent, si t'as 7 000 €. Ah non mais si t'as 7 000 € tu t'en prends deux, qui sont très très bien et puis voilà. Ouais, tu prends ta vieille carte graphique, tu la laisses dans le PC de streaming, tu t'en bats les couilles, y'a pas besoin d'énormément de trucs. Et tu prends une carte de capture et tu prends un bon PC principal. Soyons honnêtes, hein. Avec 7 300 €, tu te fais le setup qu'on a vu la dernière fois, là. Tu sais, le mec avec les 4 écrans et tout. Hein. 7 300 €, tu te le fais large. Mais large, avec 7 300 €, tu t'achètes une Clio intérieur cuir. Oui, et tu sais quoi, tu peux même acheter le siège. Non mais déjà, avec 7 300 €, je mets pas 7 300 € dans la config. Ah non. Non, mais c'est pour ça, le mec qu'on avait vu sur l'installation qu'il avait, il avait un PC plus un PC de stream, il avait 4 écrans, voilà, tu vois. Ah, moi, si j'avais, j'avais des sous, le changement que je ferais, c'est que je me ferais un petit PC sur le côté pour stream, non, et je m'achèterais un écran 21/9, c'est tout. Voilà. Non, mais c'est surtout, tu peux te faire, enfin, moi, j'aurais un budget à mettre dans le streaming de 7 000 €, mais moi je me ferais un truc parfait avec fond vert, etc. Deux ordi, tout bien dispatché. Même, t'as même pas besoin de 7000, quoi. Le t'as bureau de... qui va bien et tout t'as bien. Besoin de 4000, il m'en resterait, ouais. Il me resterait des sous pour faire des giveaways. T'as besoin de 4 000 € et encore, quoi. C'est vraiment si tu pars de rien, quoi. Non, mais pourquoi se casser les couilles à prendre un essai de 1080, quoi. Surtout pour faire du Minecraft. Après, tant mieux pour lui, hein, c'est pas de la jalousie, quoi. Mais c'est vrai que quand je vois que le mec fait du Minecraft, je dis quand même. Si c'est de la jalousie. Un petit peu. Mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi le mec qui fait du Minecraft, il a besoin de ça, quoi. Moi, je me prends le MacBook Pro 15, le nouveau, avec tout au max, j'en ai pour 6000 balles. Ils ont retiré pas mal de ports, apparemment. J'ai pas regardé la tu viens, Yama, ou pas? En gros, il y a que des ports USB-C, maintenant. C'est la partie pour accéder. Et un jack, et c'est tout. USB-C, il y a plus les ports Thunderbolt. Si, c'est du le USB-C, c'est du Thunderbolt 3 également. Bon alors Yama, c'est fini comment cette PGW? C'est bon, bah il y a encore demain. Ah ouais? Ouais, c'est bien ce que je pensais, il y a encore demain. Ouais. Non, les 4 ports USB-C sur les... En fait, t'as le modèle entrée de gamme du MacBook Pro 15 pouces qui a du Thunderbolt 2. Et les deux modèles au-dessus, ils ont du Thunderbolt 3 mais en format USB-C. Mais c'est aussi compatible USB 3.1 type C. Ouais. C'est pas du 3 qu'ils ont... Il faut que t'achètes l'adaptateur propriétaire. C'est les ports, ils font Thunderbolt 3 et USB 3.1 type C, les deux. Ouais, non, mais même l'entrée de gamme, là. L'entrée de gamme, c'est du Thunderbolt 2 et de l'USB 3.0 de merde. C'est sûr. Parce que moi, j'ai un MacBook Pro de l'année dernière et mes ports Thunderbolt, c'est du 3. Non, c'est du Thunderbolt 2. Le Thunderbolt 3, c'est le format de la prise, c'est le USB type C. C'est hyper compliqué pour rien. MacBook Pro l'année dernière, ouais, c'est du Thunderbolt 2, 20 gigabits, avec l'espèce de petite prise, la même que Thunderbolt 1 en fait. Et Thunderbolt 3, ils ont changé le format de la prise. Mort de reste en train de regarder Twitter, moi j'étais en train de faire un tweet et je vois qu'il soit, il fait le même tweet, quoi. Trop vite pour toi. Non mais on tweet en même temps, c'est trop ridicule, quoi. On les mêmes trucs, on est là, on est plus nombreux, machin. Ouais. Par contre, 3 ou 4, ça change rien sur la putain de la file d'attente, quoi. Ouais. Un Twitter, mais t'as vu, au fait? Comment? Tu as un Twitter? Oui. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu tweets? Est ton... En ce moment, je tweete pas grand-chose. Quel est ton at? C'est t'as vu. Voilà, sobre, efficace.
Bah, j'ai eu des périodes très actives dessus, mais en ce moment, je retweet juste de la merde. Non, mais de toute façon, vu que Twitter est en train de mourir... C'est vrai, en plus, c'est même pas des conneries. Ouais, je sais. Ils sont un peu cons, en même temps, ils savent pas... J'ai l'impression qu'ils savent pas gérer leur truc, quoi. Tu m'as dit Matt, t'as vu. Et d'accord, je t'ai trouvé. C'est bon, je t'ai trouvé. Toi, là-bas. C'est quoi ta photo de profil? Ah, c'est... oui, bien sûr. Alors ça, tu vois, c'est... Mais c'est une position étrange, tu sais, le mec. Le standalone du BR, c'est-à-dire Bria. Battleground ou... je sais pas de quoi tu... Non, il parle de Just Survive, peut-être, non? Je sais pas, moi j'ai les deux déjà, puisque comme j'étais là depuis le... Salut XV, comment ça va? Comme moi je l'avais pris à l'époque où c'était H1Z1 tout seul, moi j'ai les deux. Je sais pas si c'est de ça que tu parlais, Bria. Cette file d'attente beaucoup trop longue. Il nous faut un débat philosophique. Est-ce qu'il y a eu des émeutes cette année à la PGW ou pas? Moi je me souviens toujours le premier jour l'ouverture, c'était toujours un truc de taré. Ouais, j'ai des potes qui étaient là-bas et qui ont fait des photos de la file d'attente pour Call of Duty, c'était encore une fois c'était ridicule. Bria, tu parles de Battleground, oui. PlayerUnknown Battlegrounds. Ouais. Oui, je suis très intéressé mais c'est pas avec Arma, c'est avec Unreal Engine. Ouais, c'est un nouveau jeu. Oh putain. En plus ça va être trop bien. Putain, mais faut qu'il avance ce jeu. Ah bah il est en bêta test, enfin il est en alpha test là, je crois. Il est déjà bien avancé. Il le fait tester à des... Il y a des streamers, etc. qui ont eu accès déjà. Ouais, il y a quelques temps, ouais. Il y a eu 2-3 jours d'accès, un truc comme ça. Faites du stress test avec tout le monde, moi j'ai envie de tester. Même si ça bug, je m'en fous. Je suis un peu dégoûté de pas avoir une clé pour Gwen. PlayerUnknown Battleground, il en est à l'Alpha 2 test. Dernière update, 28 octobre. Tu vois. Nice. Vendredi, hein, du coup. C'est bon. T'as vu les overlays finaux, au fait, du coup, que j'avais bossé, Iso ? Non, du tout. Star Marine, ça y est, ils en ont parlé ou pas du tout, Bria? Ce principe de bulle. Ouais, oui. Ouais, c'était pas mal, je trouvais. C'est plutôt joli. Allez, la file d'attente, s'il te plaît, avance. On est marre de montrer des menus. J'en ai marre de faire du menuing. Ouais, le menuing dans ce jeu, c'est un cancer, hein, sérieux. Si je regarde une conversation de Pass of Exile, le mec il est en train de négocier, il est fait « Bon d'accord, je te le vends pour 16 orbes du chaos, mais il faut que tu me donnes un compliment, sinon c'est 17. » Et le mec il lui dit « You're a good boy, so handsome boy. » Il fait « Oh, you're so sweet. » Ça a été même retweet par le truc de Pass of Exile. Quoi. C'est la nouvelle currency du jeu, les compliments. Vend torse légendaire, 6 gemme link, 16 KO plus compliments. Tu vas me dire que je suis gentil. Viens me dire que je suis beau. Voilà, si vous voulez ce giveaway de cette GTX 1080, allez sur le stream d'Iso et dites-lui qu'il a une jolie barbe. Le fail resto hier. De quoi une 1080? Non mais sérieusement, le mec arrête. J'aimerais bien en avoir une dans mon PC déjà. Bah tu l'achètes, tu l'avais pas dans ton PC, tu l'as giveaway parce que les gens vont venir te dire que t'as une jolie barbe. C'est ça. J'ai le temps d'aller me faire un café, de discuter avec ma chère et tendre, et je reviens. Et c'est toujours la queue. Bien sûr, bien sûr. Et plus c'est long, plus c'est bon.
On passe plus de temps ouais, à bosser. Ça, je préfère penser comme ça in-game, en fait. Twitter qui est en train d'exploser à cause des derniers tweets d'Eric Ciotti. Il y a un truc, ça s'appelle... Ils ont fait un montage d'un truc de Dalai Lama avec la tête d'Eric Ciotti avec marqué « Conversation avec le Dalai Lanus ». Oh merde. Oh putain. T'as encore des mecs qui me follow. Combien il a de follow celui-là que je rigole ? 88 000 followers, il en suit 64 000. Bravo mec, je ne vais pas te follow back. Je sais pas qui tu es. Ah, c'est les mecs qui balancent des follow dans tous les sens pour avoir des follow back et puis après ils me follow. C'est les petits logiciels qui font ça, qui sont rigolos. Il y a pareil sur Twitch. Il paraît sur Twitch, putain, mais qui rend ? Abonnez-vous, je rends ! Non, mais c'est ça. Bon, j'avoue que je me suis fait spoiler Walking Dead, mais j'ai bien envie de voir un peu. Je suis assez intrigué par les nouveautés de ce qui s'est passé cette saison. Oh oui ! C'est bon ! Mais ça fait... Attends, ils en sont à la saison combien, la 7 ? 7, ouais. Ah bah, j'ai donc 3 saisons de retard. Ouais, 2 mois. Mais il y a un acteur qui rentrait dans une des saisons que j'aime beaucoup. Ouais, la fin de la saison 3, ça m'a saoulé. Mais qui jouait le comédien dans Watchmen. Fin de la saison 3, ça m'a saoulé. Bah, j'avoue, saison 3, j'ai arrêté. En fait la saison 3, il y a des bons débuts de saison, les fins de saison, ça va, mais les milieux de saison, ils savent pas faire. Mais c'est même pas, en fait. C'est, disons que la saison 3, c'est celle qui se termine à la prison, là. Tu sais, genre, avec le combat de la prison. La saison te vend tellement le truc comme un truc exponentiel, ça va péter, ça va être pété, ça va péter, ça va péter, à la fin ça fait... Non mais c'est pas ça, c'est surtout que la fin, la baston machin, le truc final, c'est nul. Elle est toute pétée. Et textuellement c'est tout pourri en fait. C'est on te vend du rêve pour un truc tout pourri. Ouais, le machin qui crève et ensuite il court, il s'enfuit, voilà. Et ça tire un peu sans viser. C'était même très très nul en fait. Et je me suis dit, bon bah ça y est, moi ça m'a saoulé, plus jamais j'ai regardé. Moi je me rappelle que quand Breaking Bad était pas encore fini, je regardais le nombre de le fans sur la page Facebook de Walking Dead, il y avait un truc comme genre 12 millions, et j'allais sur la page de Breaking Bad, et je voyais genre 4, et je dis putain la vache quand même. Ouais, mais c'est ça, quoi. Hein. Comme je te dis, moi personnellement, les gens ont un engouement de ouf pour Game of Thrones, bah moi mon engouement de ouf il est pour Viking. Voilà. Ah bah Viking. Viking. Nord-nord-est, la ville. Probablement j'essaie de me reprendre parce que quelqu'un m'a cogné. Non mais quand on voit mon look, on peut pas penser que je ne puisse pas aimer Viking. Faut que je regarde s'il y a des bons acteurs dedans. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il m'admette Mikkelsen comme dans Valhalla Rising. Et Travis Fimmel, il est exceptionnel. T'es suivi, celui qui arrive au sol là, dans les entrepôts. De très près. Oui, ça y est, il me collait au fion. Et je suis rentré dans un truc où j'ai un fusil à pompe. Mais si le mec il a une AR, il va me niquer ma race. Il est dans le hangar d'en face, il arrive. Putain, mais t'es pas sérieux ? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que j'ai pris la deuxième balle et j'étais derrière le truc. C'est n'importe quoi, sérieux. J'étais derrière la poubelle, le mec il a tiré une seule cartouche et j'en ai pris une nouvelle. J'ai pas compris, c'est bugué comme truc. Je vois Matt aussi mort, t'es mort Matt aussi ? Non. Ok. N'importe quoi, sérieux. J'ai un peu plus loin. Je suis dans la ville, moi. Fais chier, hein, putain. J'attends 3/4 d'heure pour que les pauvres, ils aient meurt tout de suite. En solo, moi je m'en bats les couilles. Hein. On s'en bat les couilles. Je sais pas si c'était le lag ou quoi que ce soit, moi j'ai entendu un seul tir de cartouche de son truc et j'en ai pris 3. Il y a eu des mises à jour et tout, on n'est pas repassé sur les serveurs US, c'est ce qui expliquerait pourquoi il y a du lag et tout. Non, je crois pas. Je regarderai après, c'est une bonne remarque. Bah regarde Iso du coup, vu que t'es mort. Désolé. Non, on est bien sur des serveurs Europe. Enfin. En tout cas, il nous dit qu'on est sur les serveurs Europe. Non, mais le problème, c'est que quand il y a des moments de forte affluence, ce qui est un peu le cas avec la nouvelle mise à jour, etc., tu te retrouves avec les anciens serveurs qui sont considérés dans le line-up. Donc, du coup, t'as les serveurs qui sont un peu moisis. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entendu le bruit de « je prends une cartouche », mais on n'a pas entendu la cartouche partir. Ouais, d'accord. Ouais. Je suis mort. Quoi ? Je suis en train de mourir. I'm gonna die ! Son sac à me tirer dessus. I'm gonna die ! Je
j'arrive, je vous rejoins. Dans la mort, ah, ça tu veux dire. Bordel de saloperie de connard m'enculé de ses morts. N'est-ce pas? Putain, j'aimerais jouer plutôt que passer mon temps dans les menus. Putain. J'essaye de venir pour te venger. C'est pour ça, pourquoi tu crois que la plupart des streamers qui font du H1Z1, ils font pas du 5-5? Oh, carrément, carrément, il arrive. Bon retour sur le stream du survivant. Ouais, bah voilà. Voilà, du survie, rien du tout. T'es mort où, dans un bat? Je suis mort dans un bâtiment. Bon, je lance une solo du coup, moi aussi. Putain, bon, mais rajouter des meubler, serveurs quoi. Please don't shoot me, I waited 15 minutes to play. Ouais, mais je pense qu'ils attendent aussi. Bah, je l'ai buté et il m'a buté. Ah oui, il reste Yamato. Le petit Yamato. J'ai voulu double tap, il y avait une poubelle devant moi. T'es mort? On est tous morts? Au moment où je lance ma 1v1, attends. Bon, bah alors je vais déco aussi. Je vais aller dans le lobby, je vais quitter l'instant. Non mais je pense que oui, il y avait une désynchro parce que honnêtement le mec, j'ai pas entendu ses coups de fusil à pompe, j'en ai entendu un seul et j'en ai pris trois donc... Moi j'en ai tué deux, je vais aller voir dans la boutique, voir s'il y a des gens encore vivants. Ah mais si, en fait t'es pas mort, non on croyait que t'étais mort. Non, il est en train de manger en même temps donc il nous répond pas. Non, j'ai bonbons. De toute façon je suis plus dans le groupe maintenant. Ah si, chelou. Pourtant j'étais rentré dans un lobby d'héroïque. Moi je quitte mon lobby du coup parce que je pense que ça va pas durer. Le lobby judéo-maçonnique. Exactement. Les Illuminati. Le lobby judéo-maçonnique chrétiano dans ton cul, hein. Parce que comme dit le dicton, hein, sévice passem parabellum rectum. Si tu veux la paix, par la guerre, sinon tu l'auras dans le cul. Pas. L'inferno à nouveau hissant, hein, qui est en train de décéder. JPP de toi. Tu n'en peux plus. Nous allons retourner dans la file d'attente, n'est-ce pas? Je ne vais pas dire la queue, je ne suis pas un... Il fait de meilleures imitations que Cantlou, mais tu sais qu'il est en train d'imiter Yves Lecoq qui imite Jean-Marie Le Pen. Suicidé avec un bidon. À tes on n'y pense jamais, ça a tiré sur les bidons dans les environnements urbains, oui, quand il y a des gens à côté. C'est vrai. À tes souhaits, t'en as plein sur les doigts et tout, c'est ça? Ouais. Tant que c'est pas plein dans le cul. On est là? Dites-moi quand vous touchez les amis. Charge. Nous allons péter des noobs, ou alors plutôt dans le jargon courant, se faire péter la rondelle nous-mêmes après 153 minutes d'attente, parce que ce jeu de pisse n'a pas de cerveau, n'est-ce pas? C'est bon, tu peux charger. Tu l'as entendu le sound alors, Yamato? Ça va se finir en Allemagne, tu l'as réécouté ou pas? Ouais, j'ai beaucoup rigolé. Et c'est sorti de façon tellement naturelle en plus. C'est bien parce qu'après tout, nous ne sommes que 940 dans la queue, n'est-ce pas? Bon, le temps que ça fasse la file d'attente, je vais me chercher un Red Bull parce que sinon je tiendrai pas. Je crois que tu peux même aller à l'épicerie à côté et récupérer le Red Bull. Hein? Putain. Ces files d'attente. Heureusement qu'il y a mon chat à côté. Je ne sais plus, il n'arrive plus à sortir de cette imitation. Aidez-moi, n'est-ce pas? Mais il y a encore des tournois demain, c'est rare que les tournois ils se finissent sur le lundi. Je l'ignorais. Pour la PGW. Il va pas être trop occupé à manger ses bonbons. Oui, c'est des roulettes Haribo, Coca. Ah, les roulettes Haribo, voilà. Ah. Tu m'as défoncé les tampons avec ton... Pardon. Oh bah dis donc. Où est-ce que tu t'es cru, jeune barbu?
me fait rire pendant que je vois, merde. Je vais m'étouffer. Vraiment que j'ai chez le coiffeur. Dis-lui qu'elle coupe bien en dessous du cou. Hein? Une cheveux, belle coupure quoi. Nette. Une belle coupure nette en dessous du cou, n'est-ce pas? Remarque, comme je disais, je suis prêt pour faire le Père Noël. Hein. Tu vieillisses un peu. Bon, ça, avec une bombe qui colore les cheveux, ça marche. Je me souviens parce que c'était à une soirée qui était organisée par un pote. Et en fait, moi, j'étais arrivé, je m'étais fait le bouc, en fait. Et je m'étais teint avec ces bombes-là, en fait, les cheveux en gris. Et je m'étais habillé comme un vieux. Il y a un écho chez Matavu en fait. C'est tout le temps. Et donc avec une bombe, je m'étais teint les cheveux en gris, etc. Et des gens que je connaissais mais depuis longtemps en plus, hein, qui se présentaient, tu sais, genre enchanté. C'est génial. C'était trop drôle. Et voilà. Se tailler la barbe et éteindre les trucs en gris, et d'un seul coup, plus personne te reconnaît, quoi. Alors, comment voulez-vous qu'on retrouve des terroristes? J'avais une caisse à ouvrir, j'avais un casque de... Docteur Disrespect, Motorcycle Helmet, mandat. J'espère juste que tu l'as pas lâché, bien sûr. Pardon. Y'a quoi dans la Infernal Crate, tiens? Ouais, y'a des trucs géniaux, y'a des putains de masques. Ouah, les masques, mon dieu. Je veux le masque de cochon, moi. Je veux le skin de snipe, je suis sûr, il se vend très très cher. Y'a souvent des tarés pour acheter ces trucs-là. Watch that sound, everybody look what's going down. Je crois que le masque le plus cher, c'est le masque de Jester. Ah ça. Leur zombie là. Ça n'est plus. Un est plus cher. Il est bon en même temps. Moi j'aime bien le Easy W Spiked Helmet. Steampunk. Avec les pics et tout. Bien joli. Qu'est-ce que tu fais à ton micro? Est-ce que tu fais l'amour avec? Il mange des crêpes à où? Des crêpes waouh avec des petites billes croustillantes dedans. Waouh! Pour gagner ouais. Pour avoir le croquant? Pour garder le croquant, le fondant? Le croquant gourmand! C'est croquant gourmand! Plus que 15 personnes dans la file d'attente! Ouais! Halt au menuing. Je me trouve un jeu d'horreur pour jouer pour demain. H1Z1 Just Survive. Vu que j'ai pas de jeu d'horreur, vu que je joue jamais, enfin, je trouve quelque chose de pas trop cher, pas trop mal. Midnight Night at Freddy's ou un truc comme ça là. Ah non mais demain on est lundi. Oui. Je suis débile. Bah je l'ai dans le cul. Pourquoi? J'ai raid. Ah bah oui, je l'ai dit, tu l'as dans le fion. Tu vas raider du WoW. Tu veux, voilà. Tu peux lever du WoW si tu veux. Ah non, je vais arrêter de streamer du WoW. La dernière fois, ça m'a déprimé, j'avais absolument personne quand je streamais du WoW. Bien, là, j'ai personne non plus. Donc bon. Quand t'as personne, t'en as combien? Wow, de quoi? Attends, on va où là déjà?
Tu connais, j'ai pas entendu du coup. Bah, la Tessie là. Elle est loin, hein, putain. Nord-nord-est. Nord-nord-est, ouais. Nord-nord-est, effectivement, il y a un petit camp. Ouais, juste, donc, moi je suis loin de vous, je vais aller dans les maisons que j'ai là à côté et après je bouge. Pour vers vous direct après. Laisse-moi une maison, s'il te plaît. Ok, t'as choisi ta maison, tu me laisses autre maison, ok. Ça c'est ta maison, ça c'est ma maison. Ok, respecte ma maison. Déjà, je respecte vos mères, c'est pas si mal. C'est ce qu'on a dit sur Twitter. Il respecte. Mais en même temps, t'as vu ce que j'ai ou pas? Prends l'air si tu veux, vas-y, je prends le magnum. Et une air? Ouais, une air au sol. T'as quoi? T'as un gun, toi? J'ai deux flingues. Ok, vas-y. Je vais aller très loin avec ça, mais... Je peux arrêter une voiture. C'est déjà pas mal. Ça lag à outrance. C'est non, ça va, j'ai pas le petit truc. C'est où, Trans? C'est une ville? Je serai le 14 à Pau, le 18 à Châteauroux. Et le 28 à Outrance. Oh là, il se passe quoi? C'est le jeu qui a pris. Ah. C'est comme les gens qui demandent c'est qui, Schlorine. Ah, Matavu a bugué, Matavu a planté. Évidemment, Matavu, il avait une AR. Putain! Ton jeu a crash ou pas? Bah, je sais pas, ça a frisé pour l'instant. Non, mais si ton jeu a crash, je te tue et je ramasse l'air. Hein, t'es avec moi dans le camp, non, c'est toi, Yamato? Oui. Attends, 10 secondes. Parce que nous sommes deux personnes qui savons manipuler le parachute. N'est-ce pas? Le parachute doré, hein? Non, voilà. Je sais manier le parachute, mais vous mettez trois plombes à dire où vous voulez aller. Ah bah oui, c'est toujours la faute des autres, évidemment, cela va sans dire. Bah moi, je suis arrivé là où je voulais, hein. Oh, vas-y, tu peux me fumer. Duct tape. Ok. Tu peux me fumer. Comme un saumon. Duct tape. Je récupère les balles, je récupère les bandages, je récupère le military backpack. Ah, mais t'avais trouvé une autre aire, en fait. Oui, il y en avait une autre, ouais. Ouais. En fait, dans la maison, à l'extérieur de la maison, en fait, il y avait une AR. J'ai un military backpack pour toi, si tu veux, parce que j'en ai shred un, mais du coup, je vais t'es à côté de moi. Military backpack. Ok, bon, je shred celui-là. Alors. J'ai un military backpack. Since I am not dead. On est dans la zone, quasiment. Ouais, on est limite, on sauf est bien. Sauf qu'ils ont qui est à 4 km. Non, ils sont pas loin. 3 km à pied, ça use. Y'a quelque chose là-dedans à l'intérieur de ce trou ou pas? I don't fucking know. Vous êtes toujours aux espèces de hangars là? Ouais, c'est ça. Ça, bon bah j'arrive. Absolument personne, on est bien. Hold on, I'm coming. Nous ne sommes pas trop mal, n'est-ce pas? Non, je ne dirais pas n'est-ce pas. N'est-ce pas? Merde! J'en étais sûr! Qu'est-ce pas tout? Qu'est-ce pas tout? Ben non, Gaspard, il pas tout! Vite! Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On est passé Yamakasi. Il ne peut pas y avoir une voiture qui roule dans ces trucs-là de merde. Il devrait faire des trucs ouais, avec des scraps de métal, tu puisses fabriquer une voiture. Une bagnole. Non, mais retaper une bagnole qui est pétée, tu sais. Le mec qui se fabrique un tricycle. Faudrait qu'il y ait les vélos, tu vois. Comme dans Daisy, il faudrait qu'on joue à Daisy, en fait, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Organisons-nous une soirée où on joue à Daisy ensemble. Oh putain, faudrait que je le réinstalle. Oh, c'est rapide, t'as la fibre. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si j'ai envie de réinstaller ça, en fait. C'est Yamato qui en parlait l'autre fois. Oui, non, mais parce qu'on a eu une soirée exceptionnelle sur... On a eu une soirée exceptionnelle sur Daisy.
à l'époque pour ça. Mais pour avoir des soirées exceptionnelles sur DayZ, il faut jouer avec Poupidou. Parce que c'est un footeur de merde. C'est même pire que ça, je trouve. Ouais, j'avoue. C'est vraiment un pervers, en fait, Poupi. Oui. Il a un petit côté pervers, tu vois, sadique. Sadique, exactement. Il aime bien torturer, tout ça. Capturer les gens, tout ça. T'as tué tellement peu joué à ce jeu. Oui, j'ai tué quelqu'un, oui, j'ai tué Matt. Ah oui, quel salon. Putain, vous êtes toujours à votre camp. Parce que ouais, j'étais vraiment loin, en fait. Ah, on est peu dans la zone, en fait, si on est dans votre... Non, mais on se casse. Allez, viens, Jogo, on se casse, n'est-ce pas? Allez vers l'est. On va remonter. Je vais vers le nord-est. On va finir par se retrouver, de toute façon. On va arriver à la ferme avec... Ma ferme, ta gueule. Pardon. Mais y'a rien dit. Ah, je vois vos flèches. Enfin, j'en vois une, au moins. Je vois rien, Mato, parce que je la vois pas, la tienne. Là, je vois les deux. Ah oui. Je suis au camp Manouche, là. Pas au camp Manouche. Qu'on arrête de dire ça. Après, on va passer pour des racistes. Ça se trouve, c'est un camp de Tsigane, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, c'est un camp dégueulasse, déjà. Ça se trouve, c'est un camp Rome, tu vois, en fait. C'est absolument pas des gitans. Et puis, ça pourrait être un camp décent, quoi. Pardon. Voilà. J'avoue, là, j'avoue, j'ai passé pour un ignorant, mais je... Je connais pas la vraie définition de ce que ça veut dire manouche au-delà de gitan. Est-ce que c'est vraiment mauvais comme terme, quoi ? Les gitans, non, pas forcément, mais c'est des. Enfin, je pense pas que ce soit des ethnies, mais c'est des groupes. T'as les tziganes, les manouches. Ouais, bah oui. T'en as d'autres. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Ah oui, non, et Carrie, si tu veux, Carrie, je t'explique, sur ma liste Steam, j'ai 81 jeux. Je les ai pas tous installés sur mon ordi. j'en ai genre 350. Avant, pareil, j'en ai genre 280. Je recevais des clés de jeu, mais personne d'autre les a sur Steam. Même les autres journalistes, oui, ils les rajoutaient ça. Pas sur leur compte. Personne n'en voulait. Attends, je vais me faire un genre, peu de j'ai un mec qui continue de m'envoyer des clés. À chaque fois, ses titres de mail, c'est genre ouais, vous n'en reviendrez pas. Diablo 3 de Blizzard écrasé à plat de couture, et tu l'ouvres et t'as un vieux hack and slash en 2D moche. C'est un mec de Webedia, genre, non? Le prochain FTL qui vous tiendra en haleine les 10 prochaines années. Et tout. C'est un mec de chez Webedia, c'est non? C'est ça? Là, oui, Iso. Tu le vois l'icône qu'il a sous le côté de son nom, Iso? Mais c'est parce que j'ai tué quelqu'un. Ah bon? Ouais, c'est parce que j'étais en train de me battre contre quelqu'un, ou alors je sais pas. Ouais, je sais pas ce que c'est cette icône, je me suis toujours demandé, il y a des fois elle apparaît, des fois elle apparaît pas. On va aller à la ferme. Est-ce que ça pourrait être un bug? Parce que comme j'en ai marre, on va aller à la ferme ta gueule. Wouah! Ma ferme ta gueule! Je pourrais te toucher de là, tu sais. Tonnerre sous les tropiques. Je sais pas qui c'est qui tabasse son bureau. Ah si, ça doit être ici. Non, c'est parce que c'est ma souris à chaque fois. Un jour, quand j'aurai des sous, je ferai mettre le micro sur un bras. Aussi. Et fermé, pareil, sur Uplay, par exemple, j'ai tous les Assassin's Creed. Je les ai même pas achetés en plus. Je n'ai acheté aucun Assassin's Creed et j'ai joué à tous les Assassin's Creed. Pas bien. C'est quoi, pas bien. Je les ai pas DL non plus. Ah bon. C'était dans les trucs qu'on me filait à la PGW à chaque fois. Mais ça m'intéresse pas, Assassin's Creed. C'est pas une clé pour autre chose. Alors. Je vous retrouve enfin! Ar! Calme-toi. On a tous les trois à une seconde chance. Pardon. Vous avez fait les autres maisons ou pas? Non, on vient d'arriver. Il y a une voiture en plus, la maison que vous êtes en train de fouiller. Faudrait une pouch. Ah bah très bien. Elle est où la voiture? Pick-up. Sur le côté gauche. Ah ouais. Je vais laisser les clés dedans. So excited. Duct tape.
Wouhou. Bon, par contre, il me faudrait un casque. Merde, j'ai pété un ornement. Merde, ma femme va me tuer. Ah bah, il y a deux Jeep. Voitures, en fait. Nice. On a deux. Je prends la clé, celle-là. Ah bah, la Jeep, elle est mieux, alors. Il me faudrait une pouch, si vous trouvez. Une pouch. Ouais, un truc bleu par terre. Une bouche. Bouche, ouais. Il faudrait une couche, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aller au cabinet et j'ai pas envie de me lever. Vous trouvez une bouche? Une bouteille, n'est-ce pas? Il y en a une là où je suis. Une bouteille d'Oasis, sinon ça passe pas. Une bouteille, j'arrive. Pendant qu'il va m'écraser, non ça. Bouteille, papa, bouteille. Pardon. Where is it? Là. What the fucker? Putain, il est planqué. Merci. Ils cachent bien leur push. Ok, c'est bon. Bon, c'est bon, je suis armé jusqu'aux dents, donc je vais vite mourir. Ça va être, Ouais, pareil. Avec mon beau gilet pare-balles que j'ai looté dans une caisse. On peut rouler si tu veux. Mec, ça fait un quart d'heure qu'on joue à peu près, hein. C'est un truc de malade. Ouais. Et où? Parce qu'on a croisé personne, c'est aussi simple que ça. C'est marrant. Comment tu fais déjà pour avancer bien. Sans faire de bruit? Tu coupes le moteur. D'accord. Tu la vois la Jeep là? À droite? Waouh, il y a une Jeep en plein milieu de la route. Ouais. Elle est suspecte celle-là. Présomption d'innocence, Isso. Non, on n'a pas de racisme envers les Jeeps. Elle est complètement free. Il y a les clés tout dedans. Je te laisserai les clés, Isso. Ok. Tiens, vas-y, prends les balles d'air, j'en ai déjà plein. C'est vrai que t'as un skin de ouf, Yamato. Non mais c'est la police quoi. Du LGBT du lobby LGBT. Petit casque arc-en-ciel, sac à dos rose, des colts, si vous avez pantalon à fleurs et chemise de policier. J'ai déjà voilà. Un colt, j'ai déjà 48 balles de colt, donc moi je vais spray les balles. La gay police. C'est ça, la gay police. Prends l'instrument, honnêtement je suis bien. Y a un de vous qui a besoin d'un military ou pas du tout? Non, j'ai déjà l'équivalent de 3 shreds de military je crois. Ou plus que ça, j'en ai 20. Moi j'ai besoin d'un military pack. Ah. Un mec qui porte mes affaires. Ah oui, un pack, oui, t'as besoin d'un. Tiens, je prendrai les clés dans cette Jeep. Non, c'est pas celle-là. Vous prendrez les clés, mon brave. Ah bah non, y'a pas les clés dans celle-là. Bon, c'est celle-là qui a les clés? Non. Ah non, mais c'est Mato qui a dû les prendre. Ah non, c'est moi qui les ai. What the fuck? Bah dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Drop. Voilà. C'est bon, allez. On en prend qu'une. Il voulait pas rentrer dans la voiture. Il y a des difficultés avec les portes. Excusez-moi, j'avais du mal à attraper la poignée avec mon moignon. What is the fucking fuck? On est dans la zone là? On est bien dedans, on est en plein milieu. Non, pas forcément, mais on y sera pas. Non, on est pas dedans. Hein. Oh, ouais, on a 50 secondes pour bouger. Ça va. On n'est pas pressé. Si quelqu'un. Ouais, le truc de soin en fait, c'est juste ça. On faut un peu plus, mais c'est bon. Ouais, j'ai pas de trousse de soin là. Oh, bah je peux vous en distribuer alors, les gars. Ah, rien. Les 7. Une trousse à pharmacie. Ce serait pas déconnant d'en avoir deux chacun, ouais. J'en ai déjà deux, moi, donc à la limite, donner à Yamato. Bon, je peux au moins t'enfiler une. J'en ai trouvé une, c'est bon. Je te filerai ça dès qu'on aura changé de. Dès qu'on sera dans la prochaine zone. Ouais, faut qu'on se casse. Tranquille, quoi. Ou t'es parti où avec ta balle? J'ai des pare-balles, c'est je bon. Je me suis avancé un peu plus au sud.
Ok. Jogal, il l'avait pas vu, le gilet pare-balles qui était posé par terre. J'en ai déjà un, donc je te l'aurais laissé de toute manière. Et on se casse. Non, il y a un Kurama Pharmaceutical. Ouais, mais on n'est pas dans la zone. Et le gaz, il est genre méga prêt. Donc, non, venez, on descend. Je te droperai les trucs juste après, Yama. On est frères de casque, ouais. Avec Jogo. Voilà, là on est bien assis en plein milieu du truc. S'il y a des mecs qui arrivent, boum boum. Non mais Yamato. On voit le gaz, Yamato. Je déconne pas, le gaz il est là. Non mais on a le temps. Non mais Yamato. Yamato et le gaz. Bah au pire ça finira en Allemagne. Bon. La prochaine zone, on n'y est pas, faut continuer à descendre. Ah bah t'as vu où il est le loot ? Droit au sud. Non mais je le vois, bon, mais je regarde. En fait, hein. Ouais, on y est, mais je cherche les gens autour. Sud-sud-ouest, il y a le... On est bon, on loot, on a plus besoin de looter quoi que ce soit. T'as besoin de... Moi je veux bien du soin alors. Oui, mais je vais te les donner, t'inquiète. Cool. Après j'ai des cocktails molotov à plus savoir qu'en foutre, limite. Je fais votre échange. Tiens Yama, hop, je vais t'en donner 3. Tiens Yama, au sol. Merci. Putain, mais c'est où que ça tire? C'est sud-ouest? Bah en même temps ils sont en train d'aller vers le loot. Ça tire de l'autre côté devant aussi, à l'est aussi. Ouais. C'est la guerre Napoléon, il n'y a plus que 20 personnes. T'as vu le loot, il est en train de descendre là. Monte. Let's go. Let it go. Il y a des mecs sud-est. Ouais, je les ai vus sud-sud-est. Ouais. Il y en a un droit devant nous aussi, je crois. Je crois qu'il nous a vus. Peut-être elle est vide la bagnole. Ouais, mais ils sont pas loin. On peut leur détruire, juste partir, ouais. The car is down. Mais sinon, paniquez pas. Attention, ça va se passer juste au-dessus de nous, décale-toi. Ouais. Non, c'est bon, je vais juste changer d'arme. Il est pas pour nous. Descends. Monte, je veux dire, voilà. Ça tire en face. Vous avez vu la voiture là, on se la fait ou pas? Non mais je les vois les mecs là, tu les vois les mecs, surtout? Ouais. Oh oui, magnifique! J'en ai tué un avec un molotov alors que j'ai pas de molotov, on est bon! C'est super efficace, hein, les stratégies Heavy Magnum, c'est super efficace, j'aime beaucoup. Attention, parce que là c'est pour nous par contre. Oh non, GG, on va tous mourir! Viens, on va à l'endroit où la bagnole elle a explosé, récupérer leur loot. Non, c'est mort, s'ils étaient dans la voiture, c'est mort. Ouais, c'est mort. Et la crate, on la loot pas? Elle est où? Elle est plus vers là, tout droit, ouest-sud-ouest. Ah, y'a des mecs. Oh shit! Ah, j'ai pris cher. Ouais, bah on va se casser dans le supermarché et tu vas te heal. Parce que... Y'a un sniper. Ouais, ils l'ont looté. La chance qu'on a eue, c'est qu'ils avaient pas de magnum. Parce que pour le coup, on s'y attendait pas, parce qu'il en reste des mecs vivants. Pas fait gaffe, quoi. Il y a pris cher ou pas? 67% je crois. Ça va. Ils sont dans la forêt sud. Ils sont en train de remonter sur nous. Joli. What? Je me suis fait one shot. What the fuck? Mais d'où il sort le one shot? J'ai un casque! Je suis censé prendre 50 max quoi! Sniper? Même avec un casque, je prends 50! J'ai un gilet pare-balles, il me l'a pas détruit sur moi si vous en avez besoin. Et j'ai un makeshift de plus. Il y en a un, je l'ai touché, mais il est parti se cacher juste derrière. Merde quoi!
Que Jogo il avait des trucs type Molotov ou. Mais je crois qu'ils sont barrés. Hein. Ouais, j'ai des grenades. Hein. Plein de trucs. J'étais full stuff. Donc, faut me loot. Il est où ton cadavre? Putain. Sur le Ben. Je suis toujours reconnecté, tu vois ma flèche encore. Ouais, je la vois. Sur le camion Ben. Enfin, le camion putain, 33 ouais, tonnes. Je le vois. Putain, mais je suis le dégoût absolu, quoi. Elle est où la bagnole? Me suis fait OS, quoi. Bien, ouais, je la dége. Récupère l'essence aussi, s'il te plaît, Iso. Yep. Ouais, j'ai de l'essence sur moi. Putain, mais le mec, il sort de l'arbre, paf, je meurs. Sniper, Le seul truc qui one-shot avec un casque, c'est le sniper. Je vois pas tes gros, par contre, hein, tu vois. Mais même avec un casque, il me semble que ça fait 50, quoi. Je vois pas tes gros pour le coup, casque, donc, tu one-shot. C'est le pare-balles qui fait genre très peu de dommages et qui prend... J'arrive, viens-moi. Ah, mais mec, en plus j'ai eu le temps de lui enlever son casque et en plus je crois que j'étais en train de me baisser au moment où j'ai tiré parce que c'est un de mes réflexes en général. Putain, le dégoût absolu. Mais ouais, un pare-balles t'arrête le tir, t'as pas trop mal. Bon, attends que vous terminez vos parties, moi je reviens, je fais un petit break. À tout de suite. Ils sont là. Attends. Ça. Non, merde, non, c'était un feuillage de loin avec la forme et tout, je crois que c'était un mec quoi. Voiture. Vide ou pas? Il y a une autre voiture, tu la vois au fond là? Sud-ouest. Putain, les mecs sont derrière nous. Ouais, j'ai vu. Ouais, ils sont derrière nous. Putain, j'en ai pris une aussi. Il va falloir qu'on puisse se planquer pour ce heal. Ouais, deux voitures de flics sur la droite, putain. J'ai vu. Non, descends pas. Ouais, mais... vite. Merde, excuse-moi, je croyais que tu voulais t'arrêter. Ouais, putain, ils nous circulent, on va mourir. On va leur tirer dessus en plus. Ah oh, putain. Non, c'est moi qui t'ai tué. J'ai tourné ma... Première personne en bagnole. Non mais c'est... En fait, c'est au moment du dérapage en fait, ça a tourné. Okay. La troisième balle est partie dans ta tête. Ok. C'était un accident. De toute façon, je pense que... Je regarde ton stream, je vais voir si c'était pas des conneries. Vu les mecs, vu le nombre de mecs qu'il y avait autour, hein, on était franchement, c'était compliqué. De toute façon, je pense que même comme ça, on s'en serait pas sorti. Alors... Ça aurait pu être évité avec la première personne, quand même. Oui et non, de toute façon on serait mort. On a terminé top 5. Donc, J'ai vu. Vous rejouez là ou pas? Oui. Ah mais rien, c'est moi. T'es là Jogo? Vous êtes... Jogo? Jogo il est en PLS, il est en... Il Jogo! T'es Jogo il est AFK aussi. Quand tu me diras, il y a tellement de files d'attente que... Ouais. Je suis dans les menus, voilà. C'est parfait. Voilà. Faut juste m'inviter. Bah non, t'y étais, non? Non, j'étais là. Bah oui, mais j'ai bah, le cancel, alors... Cancel. Ouais, parce qu'on voyait quelqu'un en plus dans le truc, c'est pour ça. Bizarre. Ouais. Toi aussi, tu vois qu'on est trois dans le logo, dans le lobby, non? Dans le lobby. Dans le jogging. Moi, je crois qu'on est que de Yamato, arrêté. Il est parti dire bonne nuit à sa douce et il est revient. Donc ça veut dire qu'on était 10 encore en vie et on a fini 5ème quand on est mort. Ça vous laisse penser au nombre de mecs qui restaient encore un peu tout seuls, splittés un peu partout. Quoi. Je vais me faire une scène en attente de game avec Jean-Claude Van Damme qui danse. Hein. Ouais, j'avoue.
Que se passe-t-il sur Twitter? Pas grand chose, je parie. Ah, du drama à tous les coups. Twitter, quoi. J'ai vu qu'il y avait le Raptor dissident qui avait sorti une nouvelle vidéo. J'ai jamais regardé, je sais juste qui c'est, ce mec m'intéresse pas. Voilà. Même si c'est un personnage, je trouve que son personnage est un personnage de gros con, donc ça ne m'intéresse pas. N'aura pas mes sous, n'est-ce pas? Jamais. Je ne lui donnerai pas mon argent. Je lui donnerai pas mon argent, oui. C'est la goutte qui va pour faire la bagarre. Putain. Putain, il me fait bailler, merde. Chier, quoi. Mec qui ont des bâillements communicatifs alors qu'on le voit pas, tout le monde. Tu sais. Merci pour le host, Helsing. Eh, Helsing, tu veux pas venir jouer avec nous? Salut, Kazu. Ah ouais, viens jouer avec nous, Helsing. J'attends que la marée noire monte, que les pluies soient assis, que le CO2 nous asphyxie quand la nuit s'épaissit. J'attends qu'il fasse chaud en hiver comme au mois d'août, que je sois laissé sur terre comme un poisson dans le mazout. J'attends un peu plus d'électricité dans l'air, quitte à respirer de l'oxygène 100% nucléaire. J'attends que la ville soit clean. Ah, Kazu, il s'est tapé une page de pub encore. Patient, vivant sous perte d'espoir. J'attends le déluge des soirs, ou demain peut-être. En attendant, j'attends que mon dîner crame. Avec un mal au crâne, une sale mine et plus d'oliprane. J'attends le bus de la volonté. J'ai pas de ticket, il me laisse pas monter. Je fume ma clope en attendant le cancer. Garde la patience, j'en ai un de plus à voir qu'en faire. J'attends. Remarque, vu qu'il vient de se faire 2 heures de stream, je pense pas qu'il va avoir envie de jouer tout de suite le Helsing. C'est pas faux. J'attends. Comment ça va, Kazu? J'attends. J'attends que la terre tourne pour en voir le côté sombre. Côté son, j'attends pas pour leur botter le fion. Seulement, puis un moment, j'attends que personne ne trouve plus ça triste de voir un SDF qui crève dans sa piste. Développé. Bon, ça va, écoute. Mais on attend que l'extrême passe pour se mobiliser. J'attends tout des autres et eux. Ça va, je travaille pas demain donc ça va. Oh, v'là Gwenatron. Putain, t'as mis le temps, Gwen. T'es où, bordel, ce soir? 23h20, le mec il arrive quoi. Tu vois, Gwen, ce soir il était pas là, donc il a raté la phase où dans le feu de l'action, GTK Yamato. Donc il était pas là bon pour voir ça, tu vois. Tu m'as pas dit ça, je reviens au FK, je reviens, tu me dis. Non, mais en fait, on était poursuivi par 3 bagnoles, donc j'étais en train de tirer, puis là Yamato a fait un dérapage, puis comme j'étais en train d'arroser, bah au fur et à mesure, ça a tourné, puis ça a fini sur sa tête. Putain, il faudrait que je me fasse un raccourci pour afficher le sprite du bras cassé qui fait un thumbs up. C'est ça. Dans ce genre de moment. Non mais je vois où vont tes préférences, Gonatron. Je comprends, je vois. Ouais, c'est la parka jaune, hein. Non plus, j'aurais pas envie de te regarder avec une parka jaune. Hein. Moi, ça me choque, hein, je suis désolé. T'es con, Matt. Mais tu sais que quand j'avais streamé du FIFA, c'était parti en sucette. Hein. Il y avait des mecs qui écrivaient des trucs, mon dieu, j'ai fait mes. Ouais, tout ça, ouais, c'est aussi d'ailleurs pour ça que je veux plus streamer du FIFA. J'avais streamé un peu de FIFA il y a 2-3 ans. L'église au sud-est. Pareil. On est 3, une église ça suffit pas, non? Camp Manouche plutôt. Si on a de la chatte, y'a des trucs, hein. Moi je veux Camp Manouche nord-ouest, non? Nord-nord-ouest.
Bon, je vais à l'église, allez, j'avoue, carré bourgeois. En fait, c'est ce que je devrais faire, je devrais faire du stream de Tetris en attendant que Nathan se termine. Des mineurs. Oui, j'avoue. Il y a un quad là-bas, je vais aller le prendre. Trouver un fast game qui permet de meubler, tu sais. Qui a pété un... Ah, c'est toi qui a pris un quad. Ouais. Respectorien. Voilà. Lieu de culte, AK-47. Une patte. Là, pour la peine, j'ai pris le gilet pare-balles. Oh, vas-y, vas-y. Bon, ça va. Prends-le. Cocktail, mollo. Tiens, tiens, tiens. Mat. Ah, cool. C'est bien. Ouais. Bon, on part avec le quad, Iso. Il laisse Jogo classique. Derrière. Hop, c'est quoi les jeux que t'as mis l'autre fois, priorité au streamer, Iso, c'est ça? Toujours. Toujours. C'est pour ça que je stream, j'ai pas de viewer, mais c'est pour moi, ça. Moi, comme je dis à chaque fois, c'est si tu joues et que tu streams pas, mais que tu joues en accompagnant un streamer, la priorité va au streamer. Si tu meurs, bah tu je stream, et je tu stream rejoins là. Le streamer. Je suis en train de streamer, là. Ah, sérieux? On peut choisir la qualité des streams sur toutes les chaînes, maintenant? Bon, bah, écoute. C'est bon, je vais lancer le stream en 1080, moi. Ah bah si c'est possible, je vais le faire aussi, hein, tu vois. Je suis pas sûr, moi, perso, parce que pour l'instant, t'en source. Attends, tu sais quoi, le mieux, c'est que j'aille voir sur ce vidéo, go. Le PT fait voir. Non, non, puisque c'est pas exactement le truc qu'on est censé avoir. Normalement, le truc qu'on est censé avoir, c'est un truc avec, genre, marqué les qualités, tu vois. Normalement, c'est pas censé être marqué source, élevé, moyen, machin. C'est ça qui est chelou. Non, mais je comprends pas, parce que des fois, c'est chelou. Des fois, c'est chelou, ça me l'avait déjà fait. Tu te souviens, Gwen, ça me l'avait fait quand j'avais joué à Rocket League un soir sur celui de Jogo, il y est pas, tu vois, le truc. Sur le mien, il y est. C'est un peu chelou, tu vois. Mais moi j'ai pas le droit, t'attendais un peu, il y a une limite de viewers en fonction de l'utilisation des services. Ouais, bah attends, j'ai 12 viewers, on peut me dire qu'à 12 viewers j'ai la multicalité sur H1Z1 quand même. Allez, salut les losers! Ah bah non, moi chez Jogo j'ai pas le choix, tu vois, chez Jogo je peux pas choisir par exemple. Et... Salut Bria! Ouais mais cassez-vous, hein, vous pouvez monter cadeau là, tu vois, de toute façon donc... C'est ça, barrez-vous, bande de mécréants. Non mais la multicalité, je sais pas, des fois elle tombe aléatoirement, je comprends pas. C'est... Écoute, parce que peut-être j'ai les prérequis de H1Z1 ce soir, genre les 10+. Non, c'est pas par jeu, logiquement. Pas... Non mais parce que les serveurs qui font du truc, y'a peut-être pas grand monde qui stream parce qu'il y avait c'est le... C'est pas toi qui a tiré là? Non, c'est pas moi. Je sais pas. Ah, c'est sur le... un mec sur le toit en face. Que je dois... Au... Est. Je le vois. Le toit rouge. Mais c'est pas le truc qu'ils veulent instaurer, le truc qu'ils instaurent, normalement tu peux choisir le 720... Machin. Moi de toute façon, dès que je l'ai, la multicalité et tout, à coup sûr, je fais 1080 quoi. Selon Twitch, ils l'ont pas mis à Jogo parce qu'ils ont peur que sa cam effraie les viewers. Non mais je sais pas, il a peur du noir et blanc ce mec là, laisse tomber. Bah il a peur du noir, n'est-ce pas? Je monte sur le toit pour le fumer le mec là. Un toit en face. Ah genre je l'ai pas touché, c'est quoi ce délire? Un Jogo va mourir, ah non. Bah. Pourtant ça a canardé. Hein. Putain, j'ai pas compris quoi, le mec, j'étais dessus, à 30 mètres, pas une balle. Attends.
J'ai une arme pétée, je crois. Faites gaffe, hein, parce qu'on est en BR5. Hein. Merde, je peux pas passer. Moi j'ai peur du rouge, mais c'est quand même plus rare de croiser des gens qui sont rouges. Pardon. Pas très sympa pour les orques. Y'a un mec pas loin de là où je suis. Je prends un petit sac. Dans une baraque au nord de ma position, y'a un mec. J'ai entendu des portes s'ouvrir et tout. Au nord de ta position? Ouais. C'est là où je suis, quoi. Non, 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 non. Toi t'es au nord de Jogo. Enfin, c'est le bâtiment. Comment dire? Parce que le problème, c'est que tes bâtiments se ressemblent tous. Ok. Oula! En haut. J'entends des tirs. Il est sur le. Il est sur le toit du bâtiment rouge. Ok, ok. Ah oui, je vois son nom, je vois son nom. Ah, il m'a fumé, le bâtard. Toit du bâtiment rouge? Le gros? Ouais. Putain. Donc ok, Helsing il dit c'est pour les channels à 10+, en fait, la multicalité ce soir. C'est... Ouais, donc en fait je l'avais pas avant que Gwenatron et Kazu et Helsing y rappliquent, quoi. Putain de sirène de merde, c'est bon. Tu t'es fait crever toi aussi? Non, non, mais j'en ai marre d'entendre... J'essaie d'entendre des bruits précis, tu sais. Non, je l'ai pas touché, Carrie. Non, non, je l'ai pas touché, moi j'ai tiré dans le vide. T'es con, Matt. Bon, moi, le temps que Jogo il meurt solo, hein. Pas. Tardé, honnêtement, vu que moi je viens de fumer un mec, je suis loué HP. Je suis pas persuadé, moi. Moi j'étais persuadé de l'avoir complètement loupé parce que le mec il a arrosé. Alors après, si je l'ai touché, peut-être que j'ai juste fait sauter son casque aussi. Hein. C'est pareil. Hein. Fuck you and your fucking game and these fucking bullets qui vont je sais pas où. Tu m'estimes un peu trop, Carrie Bourgeois. Tu penses que je suis bon. C'est un vrai problème. J'arrive dans les menus bientôt. Ah, t'es mort? Ouais. Bonjour messieurs, bonsoir. Oh, Eridio. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, il vous reste une place? Oh oui. Oui, même. On vient de mourir. Hein. Bah, Yamato il va rejoindre après, mais... Ok, ok. The Heroes Funky qui vient de dire sur le chat. Erilio va peut-être arriver, mais oui, avec le décalage, il est déjà là. Spoiler alert, prévenir. Spoiler, quoi. En tant que bon Portos, il a tout mis dans les parpaings. Gohan, c'est un bon Erilio alert, tu connais pas? C'est ça. C'est le host Erilio, tu sais. C'est ça. Non, c'est le viewer qui vient de dire hey, y'a Erilio qui vient. Oh bordel. Alors, hop, hop. Mais il m'a pas host, c'est pour ça. La détection était par... Enfin, le côté ninja était parfait. Comme il, okay. Comme il stream. Voilà. Hop, excusez-moi. Hop. Ni quand t'es sur les menus, s'il faut que je refasse l'invite. Ouais. Je suis en train de me le charger. Je
Ah, faut que tu réinvites. Alors, le fait est que Palmito, son PC, il est mort, donc il peut plus jouer avec nous, pour l'instant. Datara, il est sur Dark Souls 3, je crois qu'il a même pas calculé que je lui ai demandé s'il voulait venir jouer. Vinok, alors là, n'en parlons même plus, depuis qu'il a un taf, on le voit plus. Et Yamato, il est parti dire bonne nuit à sa douce depuis à peu près une demi-heure, donc... il reviendra quand il reviendra, quand on est... Là, de la bonne musique. Ouh là, on est en 4, c'est ça? On est en 4. On pas être ça trop bien. La 3-3, je trouve qu'elle manque. Oui, je suis assez d'accord, le 3-3 c'est pas nécessairement quoi. Non mais c'est ce qu'on pourrait faire aussi pour trouver plus vite, tu fais find de groupe. Mais bon. Ouah bof. Genre il te le comble et puis voilà. Bah t'imagines s'il y aurait eu des récompenses réelles, c'est-à-dire qu'on meurt tous les 4, et puis genre le demain on lance le jeu, il y a marqué que notre ça, allié qu'on connaissait pas, il a gagné. Et on a eu des points et tout, tu sais. Ce serait abusé. Non mais Helsing, moi j'y peux rien si à la PGW ils utilisent de la bonne musique. Blur, ils ont fait une chanson il y a longtemps et ils ont toujours utilisé aujourd'hui. J'y peux rien. Blur, ils n'ont pas fait qu'une seule bonne chanson. Non mais cette chanson-là, elle est utilisée partout. Song 2. Ah bah oui. Elle faisait, même c'était même la musique, ils ont utilisé le remix fait par Madeon de cette chanson là pour la bande annonce de FIFA 17. Oui c'est vrai. Moi de toute façon j'y suis pas allé à la PGW et j'ai même pas regardé le SWC donc cette année ça m'est passé par dessus la tête quoi, sérieux la PGW. Ouais. Moi j'en gueule la Paris Games Week, je veux le Stunfest pour 2017. J'ai appris cet après-midi que Team LDLC s'était qualifié pour la finale de l'SWC, c'est tout quoi. T'es sur une conf Skype quelque part où ils en parlent? Non même pas parce que le responsable WebTV il l'a posté sur Facebook. Ah, ils ont lose en finale, et bah voilà. N'est pas NVS qui veut, mais NVS s'est fait taper par les NIP ce week-end, donc... Bah c'est ça en fait, le SWC il est. Le SWC c'est boudé par les grosses équipes donc c'est un peu free maintenant le SWC. Y'a que sur FIFA qui a encore un peu de level. Y'a 3 ans que t'es qualifié pour le. Super, ça parlait de flatulence vaginale sur le stream de Mr. MV cet après-midi, putain. Nice. Il a streamé sur pas sur sa chaîne, mais il a streamé sur quelle chaîne du coup? 12 objets incroyables que les médecins ont découverts dans le derrière de leur patient. Putain, mais stop les sites comme ça quoi, sérieux. Il était sur quelle chaîne du coup, MV, en étant à Paris Games Week? J'ai pas trouvé. Aucune idée. Ouais, je sais que. À la base, je le suis pas donc je n'ai aucune idée. Tu vois, c'est. Et là, tu parles des sites, mais tu connais la chaîne YouTube avant-après? Non. Cancer. Ils font que des trucs comme ça. Non mais c'est comme Topito, en fait, tu vois. Elle a je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés. Ouais. Des centaines de milliers. Et les vidéos c'est... Bah tu vois les articles Facebook justement, ouais. Avant après, les stars avant après. Ouais. Bah voilà, tu vois les images défiler avec un peu de musique. Et elle a des centaines de milliers d'abonnés.
va comprendre. Non mais moi de toute façon je me dis déjà, de toute façon mais même dans le monde du streaming comme on disait la dernière fois, hein, moi je comprends même pas que tu sais, toi tu te démènes, t'as un fond vert, t'as l'éclairage qui est bien, la présentation qui va avec, tout, tu fais attention de pas prendre des musiques qui soient copyrightées pour qu'il y ait le son sur la VOD, tu fais, enfin tu taffes, tu vois ton truc, et tu vois des mecs qui font des streams sans overlay dans une qualité dégueulasse avec un son micro super mal réglé, qui parlent comme des sacs poubelles et qui parlent même pas français etc, et qui ont 200 viewers et tu te dis mais comment c'est possible. Ah ouais c'est ça, et puis des fois c'est le bouche à oreille, puis l'aide d'un collègue hein, aussi. Le bouche à poubelle. L'aide d'un gros streamer. Ah mais tu sais il y avait une logique, un mec il est venu, il m'avait dit je comprends pas pourquoi t'as un fond vert avec si peu de viewers, en mode c'était plus pourquoi t'as un fond de vert, ouais, en mode bah tu devrais pas avoir ton vert en fait, t'as pas assez de viewers pour avoir un fond vert. Ouais, c'est oui ça. C'est ça ouais. Il était en mode ouais, je sais plus la phrase qu'il m'avait dit, mais en gros c'était pour lui bah c'est pas justifié que j'ai un fond vert parce que j'avais pas assez de viewers pour les avoir. C'est ça, quand tu vois les mecs, bah je vais prendre l'exemple de Bruce Granek qui a 8000 personnes qui le regardent en moyenne et qui a pas de fond vert. Hein. J'ai pas vu. Moi j'avoue je connais pas. Boobs plus chat plus skill ça fait 1000 viewers. Ouais c'est ça. En fait il faudrait que je me mette des boobs, que je joue un jeu sur lequel j'arrive à gagner et que je prenne mon chat en fond. Du côté est de la ville, donc à droite. Je suis au sud-sud-ouest. Ça va se finir en Allemagne, mais en même temps, c'est à droite, ça dépend du côté où tu regardes. Sud-sud-ouest, voiture de police au niveau des tramways. Je descends sur une voiture de police. Je suis derrière le mur, c'est très chiant. Allez à droite. Ouais, mais si tu regardes vers le sud, laisse-le à gauche. C'était bon, ça. Ok, j'ai pris les clés de la bagnole. Nice. Donc on a une voiture de police, hein. En fait, le problème, c'est si je stream du FIFA, je suis sûr que j'arriverai en plus à gagner, puisque cette année, je me débrouille vraiment plutôt bien sur le jeu, mais c'est un public que j'ai pas envie d'avoir. Dommage que tu l'aies sur PC, je crois. Ah, je l'ai sur console, ouais. PC, y'a pas assez de monde, quoi. Ben ça, il y a de plus en plus de joueurs, quand même. Après, y'a un avantage à streamer sur console, hein. C'est que les gens qui regardent les streams via console, bah, ils voient que les tiens en priorité. C'est ça. Tu mets un chat sur ton épaule. Ouais, mais j'essaye de motiver mon chat pour qu'il se mette derrière, mais il est pas tenté, quoi. Ouais, mec, son chat, quoi. Ouais, y a un mec qui l'avait fait. Il avait dit que c'était une expérience. Il a braqué la webcam sur son chat. Il avait augmenté moment, son stream de deux, hein. Son stream avait augmenté de 200 viewers. Je l'avais fait, ça avait rien fait. N'importe quoi, tu sais. Tu te dis ouais, mais bon, parce que il faut peut-être une base pour que ça apparaisse en haut, tu vois. Au départ. Si t'as une base et que ça apparaît en haut, peut-être que ça, les gens après ça les accroche, ils voient un chat, ils se disent what the fuck, et puis ils viennent. Ouais, oui, il suffit qu'à un moment, à ce moment-là, il y a un gros streamer qui l'a retweet en mode what the fuck, et puis oui, voilà. C'est comme il y a des petits streamers sur YouTube, YouTube qui étaient en mode. Ils lançaient la chaîne et ils disaient donnez le lien de vos chaînes, je m'abonne si vous vous abonnez aussi, tu sais. Et c'était ça leur stream. Vous le rends. Voilà, c'est ça. Et ils faisaient ça en live en fait. Et du coup, t'avais, comment ça s'appelle, Antox, Colaboy, qui était venu sur les lives en mode mais what the fuck, à quoi ça sert. Et sauf qu'il en a parlé sur Twitter, donc du coup, t'avais plein de monde qui est arrivé sur ses lives et tout. Faut des fois, Kitty ou Kat dans le titre du stream. Des fois, le mec qui se. On va dire. J'ai dit, moi, je vais faire un live giveaway. Moi, je vais marquer giveaway en énorme, huge giveaway. Je vais faire un giveaway. Non, mais je vais faire soit le Nightbot qui dit non quand tu fais point d'exclamation giveaway. Soit je vais donner un jeu à 2€ d'un bum bundle qui doit traîner dans un coin. Et voir le nombre de connards qui va débarquer parce qu'ils cherchent la pas du gain, quoi. Et puis tu dis pas ce que c'est, surtout. J'en connais un mec qui faisait ça, mais il y en a un mec, et le mec que je connais, il faisait ça. Putain, et c'est pire que ça. Je suis... Avec les dons, je t'explique. Deux voitures qui viennent de passer là où je suis. Avec les gens, les dons qu'ils faisaient, ça leur ouvrait, on va dire, des portes pour d'autres giveaways. En gros, pour lui, si un mec faisait un don de 10€, il gagnait un grade qui lui permettait d'avoir accès à d'autres giveaways. Ouais, bah oui. Mon dieu. Tu feras gaffe, Jogo, il y a des voitures qui sont passées pas loin. Hein. Ouais, ils sont partis. Vous êtes où, vous? On est dans le Kurama Pharmacie, à côté du grand parking, sur l'est du... L'est du pays, en Allemagne, quoi. Disons-le, hein.
Il y a des sacs à dos partout ici. Et bon, mettre giveaway dans le chill, ça va ramener que des mecs qui cherchent que ça, quoi. Non, mais tu fais monter, tu fais monter ton viewer count comme ça, et puis après. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que les viewers qui viennent pour le giveaway, après, une fois que tu as plus de giveaway, ils resteront pas, tu vois ça. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'après, tu fais augmenter ta visibilité. De toute façon, se lancer sur Twitch. Mais bon, de toute façon, moi, je trouve que essayer de ramener des gens grâce au giveaway, c'est bidon. Ouais. Ah non mais c'est affreux, moi je dis ça en rigolant, j'en ferai jamais. Moi comme j'ai dit, si je fais un giveaway, c'est plus avec pour aller avec le système de pari là que j'avais avec le bot. Et je me dis au moins que ça intéresse les mecs, ils parient sur les matchs et que ça leur rapporte quelque chose à la fin. Tu vois, voilà, c'est plus ça quoi. De toute façon pour se lancer sur Twitch à l'heure actuelle, faut avoir du cul. Soit avoir du... Ouais, ou avoir un cul. Je sais beaucoup les mythes. Beaucoup les mythes. Choisir les bonnes personnes. Merci pour le compliment, Funtorx. J'ai un AK, là. Beaucoup. Quelqu'un intéressé Funtorx par Funtorx qui me félicite pour ma barbe. Et oui, la barbe, ça fait tout. Bah, y a les balles, alors, d'AK. Dans le bâtiment qui est juste en bon, face de la bagnole. En fait, dans ce putain de bâtiment, y a que des sacs à dos, quoi. Y a rien d'autre. Ah, d'ailleurs, j'ai 2 gilets pare-balles. Si jamais... J'ai dû m'en crafter un, moi. Non, mais pas un craft, un vrai. Putain, des medkits partout quoi. En fait, je suis dans un hôpital, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, je suis dans un hosto. T'as pas dit, ouais. Alors, j'ai pas de balles, mais par contre, les mecs, ils vont me tirer dessus, je vais me heal à l'infini. T'as quoi comme arme? J'ai une AR. Non, j'ai une AR, une AK et un... Bah, niveau AK, y'a plein un de balles Colt, en face de la balle. Mais j'ai pas de balles, c'est ça le problème. C'est que j'ai juste les 2 chargeurs de base à chaque fois. Ah ouais, niveau AR, ouais, j'ai juste 2 chargeurs. Là, je suis refait en medkit par contre, parce que j'ai 18 medkits. Ah ouais, d'accord, mais t'es dans l'hôpital, carrément, toi. Appelez-moi la pharmacie, appelez-moi bah, Bayer. Je vais t'en piquer 5 ou 6, ça. Allez, 19. Ah, la j'ai grosse une grosse AK-47. Moi, j'en ai 4. Appelez-moi Bayer. Je suis le représentant Bayer. Je vous présente mon pote, mon Santo. Je ramasse des balles de... C'est bon, si j'ai trouvé des munes. D'accord pour toi. Ouais, duct tape. Wouhou. Ah c'est ça, quand tu mets giveaway dans le titre, en fait t'as les gens qui spamment dans le chat, c'est quand le giveaway? C'est ça. C'est quoi le giveaway? Ouais, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ils ne te lâcheront jamais. J'ai trouvé une voiture de police. Si c'est celle qui est derrière le bâtiment, c'est la seule. C'est lui qui l'a amené. J'en ai 23, les mecs. Je vais fournir tout le monde. Tu vas partager avec les copains. Ouais, c'est ça. Bon, on se regroupe, les gens. Allez, 24, 25, allez. 26, 27, 28. Moi, je suis bon. Putain, j'ai pas fait le dernier étage. Ah, mais on est dans la zone. S'il vous plaît. Ok, je vais faire le dernier étage. Ah mais je suis sur le toit en fait. Ok bon bah je vais vous rejoindre. Je vais me faire crever bien sûr avec tout ça. Ah mais ça c'est 100% tu meurs hein. T'as trop de trucs. Casse pas ton micro. Mais je touche pas mon micro, c'est ça que tu comprends pas. Ouais c'est ça. Là y'a personne. Bon allez. Cours. Et je me rattache à la vie. Je me saoule avec le bruit des gens qui m'entourent. Funtorx, on est déjà 5. Le 5ème, il est parti dire bonne nuit à Sadou s'il est censé revenir. Donc non, pas ce soir, désolé. Peut-être une prochaine fois. Ah. Oh, putain. Ces derniers temps, j'ai eu des mecs que je connais ni Dev ni Dadan qui voulaient jouer avec moi, qui passent sur le stream. On est pas mal comme ça. Toujours des gens qui viennent demander s'ils peuvent jouer avec le streamer. Il y a toujours le multi de toute façon. Y a pas de problème, hein. J'accepte. C'est là ta bagnole. Pas 5, quoi. Ouais, ouais, c'est elle. Okay. C'est elle ta poubelle. C'est ça ta poubelle. Tu restes là-dedans. T'es sûr de me refourguer quoi là? C'est quoi cette deux chevaux de merde? Regarde la porte, mon. En fait, c'est la porte. C'est pas qu'il n'y a pas de porte qui est pas ouverte, c'est que la porte elle est dans le mur. Ah non, moi je la vois normale. Bon.
Ah ouais, d'accord. Je suis là, j'arrive. On va se planquer dans une baraque et je vais distribuer des medkits. Mais j'ai déjà looté ici, hein, t'as pas besoin de te balader. Hein. Y a un couteau. Mais non, mais je suis pas en train de looter, moi. Allez, on se met dans une baraque et on partage parce que on va bah, pas faire ça à l'extérieur. Non, pas à l'extérieur. Non, non, non. La dernière fois qu'on échange des trucs à l'extérieur, on est mort comme des grosses merdes. Alors, non, déjà tes balles d'accord. Déjà, vous battez pas. Déjà, vous battez pas parce que je vais en donner équivalent pour tout le monde, donc c'est chacun son tour. Bah, moi j'en ai 5 de medikit. Hein. Donc, j'en ai 3. Bah, j'en ai 0, pas un seul. Donc, le catcher en premier. Donc, toi, je t'en donne 7. Serre-toi. Les trucs au sol, quoi. Ah, Jogo, t'en as combien ? Si papa. J'en ai 3, donne-moi 2 ou 3. Tout le monde a un gilet pare-balles d'ailleurs ? Hop. Non, moi, j'ai deux mecs shift. J'ai crafté, mais j'ai pas de deux mecs. Et tiens, Erilio, hop. Par contre, moi j'ai pas beaucoup de casques. Je sais pas si vous en avez de côté beaucoup. J'en ai un seul. Et tu sais que, avec tout ce que je vous ai donné, il m'en reste encore 10. Moi j'en ai 10 maintenant. Sachant qu'on va en utiliser un avant de mourir. C'est ça, on va utiliser un et encore. Hein. Et encore. Qui conduit ? Oh, pas moi. Je vais bien conduire, mais il faut me donner les clés. Non, pas besoin, pas besoin. Il y a personne qui a les clés dans la voiture, ça marche. Let's go. Allez. Je suis bloqué. J'ai tendance à bloquer. Ok. Et là, on va mourir, on va se faire exploser. Pas mal le dernier album des Casseurs Flotteurs, d'ailleurs. Ah, il y en a un nouveau ouais. Oh, cool. Enfin, celui qui sortait avec le film, c'est pas un moment. Ah, oui. Et ils ont sorti un album live, là, aujourd'hui. C'est pas mal aussi. Ah bah voilà, une autre voiture. Attention, à gauche. En haut de la colline, ça va rouler. C'est pas long de manier. On est bon niveau looter, mec. Hein, on de... Tout à l'heure, on a looté. Hein. Quand on arrête de looter, faut qu'on commence à aller bastonner un peu. Hein. Et réduire le compte de nombre de joueurs. En haut de la colline. Je l'avais dit. Et les trois ils ont décalé en même temps. Bon, faut pas oublier qu'ils sont un avantage avec la hauteur. Ouais, complètement. Faut mieux se barrer ou alors si on veut vraiment les taper, faire le tour. Merci pour le follow, Fentorx. Oh, j'ai pris une bâton, c'était. En haut à gauche, il est touché. Il saigne. Il saigne. Ok, on va se séparer en montant en bagnole et on va aller les tuer. Voilà, et voilà, la voiture est morte, déjà. Intérieur. Attends, ils sont pas là les autres. Hein. Oula, what the fuck. Oh la barrière, ce qu'elle nous a fait faire. Il y a une autre voiture. Derrière nous, Matt. Oh ouais, bah ouais, je suis mort. Oh merde. Matt, il écoutait pas en fait. Il a pas entendu la voiture arriver derrière lui. J'ai pas entendu. Je sors là, descends. J'en ai tué un à droite, il y en a un à gauche et encore un devant. Cache-toi. Ils sont plusieurs devant nous. Soigne-toi. Il y en a un qui arrive à droite, grenade devant, le caillou, c'est bon. Ouah non, c'était devant, c'est quoi cette arnaque? Mais y a des mecs autour de la station service, hein, les gars, donc. À droite, y'a du monde. Y'en a un qui est en train de looter mon cadavre, Iso. Ouais, le problème, c'est qu'il est pas tout seul. Il est en train de te contourner sur la gauche. Hein. Je le vois. Y'en a un toujours sur mon cadavre, là, sur les caisses. Déjà, leur voiture est morte. Putain, je me suis fait. Cette grenade, elle est arrivée derrière le rocher. T'es je vais pas montrer les dégâts, je savais pas qu'il y avait. Ouais, je sais que je suis tout seul. Allez, Joe. Je suis caché derrière une poubelle. Ce jeu a le don de me faire monter en pression, quoi. Genre, mais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde de boost de jeu? Et après, je continue à y jouer, quoi. C'est ça. C'est quoi cet alpha de merde? Et puis genre, ah non, mais merde quoi, c'est le rocher qui ne coupe pas. Ah, mais il est parti là-bas! Chien galeux, putain!
chien galeux. Attends, c'est quoi ce bordel? On était 63 et là il me dit que la team a été placée 21. Non, bah, parce oui. que la team est 21. Bah, c'est par team. Il y a 63 oui. vivants, mais la team elle est 21ème. Ah, mais d'accord. Je suis meilleur sur FIFA, Wood. Je suis meilleur sur FIFA. Oui, tous les mets kits gâchés, oui, bien sûr. J'avais trouvé 28 mètres kits et on s'en est même pas servi. Je suis dans les menus. Bon, allez, j'en fais une dernière. Et oui, Gwen, le son était fort et c'était fait exprès. Oui, ils ont réglé le système de rank en team, mais par contre, on sait pas si on peut finir premier. Tout le monde est dans les menus ou pas? Je go dans les menus. Bientôt. C'est bon, je suis dans le menu. Matt aussi, c'est bon? Non, je suis pas dans la file. Non, mais t'es dans les menus. Ah, je suis dans les menus. Ah, ça y est, les Kevin sont allés se coucher, ils ont l'école demain. Pardon. C'est facile. Bah, c'est facile, hein. En même temps, la file d'attente depuis tout à l'heure, elle était à 1300, là, elle est à 330. Par contre, il n'y a toujours pas de mode spec, Helsing. Ça, c'est relou. On a quand même survécu en moyenne plus longtemps que d'habitude. Enfin, les parties, on durait plus longtemps que la dernière fois. Hein. Jogo, t'es d'accord avec moi? De quoi? La dernière fois, les parties, elles étaient vachement plus courtes que ça. Ouais. Parce que la dernière fois, c'était quand c'était vendredi, on passait notre temps à crever. Je parle pas d'hier, puisque hier, on a joué hors stream, donc... Putain, la dernière fois qu'on a joué, c'était une horreur. Et puis je peux vous dire, hein, le ressentiment du streamer quand on passe plus de temps sur les menus que dans le jeu, mon dieu, c'est fatigant. Hein. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus déjà. Je suis pas fatigué, parce que j'ai quand même dormi la partie de la journée, mais là... En fait, le menuing est chiant, en fait. Il devait nous mettre un quand je stream pas, moi je me mets un stream. Hein. Oui, c'est ça. Ou comme hier, on faisait du détouring sur Photoshop. Je faisais mon overlay. Ouais. C'est ça. T'as fait sur Photoshop pendant qu'on attendait. Là, le truc, c'est que j'essaye de... Ah, mais... Carrie, le truc, c'est que faut pas changer de jeu. Si ça tenait qu'à moi, je ferais une... Je vais... Allez, je lance un Rocket League le temps de la file d'attente. Non, mais le problème, c'est la file d'attente, comme elle peut pas être estimée à peu près en temps, parce que des fois tu passes une minute dans la file d'attente, des fois tu passes 15 minutes. Au pire, tu lances un démineur, hein. C'est ce qu'il disait, ouais. Tu lances un démineur ou un solitaire. J'ai déjà vu des gars faire des démineurs à des vitesses, ça n'a aucun sens. Moi, je suis très mauvais pour ce truc-là. Le streamer Creeparian qui fait du Hearthstone, en attendant des games, des fois, il met des... Quand il est à haut niveau, tu sais, genre des arènes, tout ça dans Je vais aller jouer à Tetris Frame. Il met des mineurs, lui, il joue à une vitesse, je te raconte pas. Ouais, je vais faire pareil, le mec de League of Legends, là, il fait I'm so fresh, il s'appelle. Ah, I'm so fresh, je l'ai déjà vu lancer un démineur entre deux games. Je l'ai vu faire, j'ai dit, ok, d'accord. C'est pas une question de lancer plusieurs jeux, car il sait plus que quand tu lances une partie de Rocket League, t'en as au moins pour 6-7 minutes. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on va où? Pavillon au nord. Service, là, on est mort ou les pavillons? Pavillon. Okay. Nord-nord-ouest. Alors, est-ce qu'on voit un véhicule là? Oui, il doit y en avoir. Il y a une voiture de flic en plein milieu. Ça risque d'être. Au milieu, je l'aurais pas allé trop loin. Oh, il y a du monde. Il y a du monde, pavillon. Donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers du véhicule. Véhicule, là, s'il vous plaît. Y'a du pipo là. T'as une voiture qui est juste en face de toi, le pointeur orange, je sais pas qui c'est. Toi là-bas, pointeur orange. Et attends, toi mais, je suis en train de capter que du coup y'a plus les pseudos et y'a plus les couleurs différentes. Merde, putain, mais c'est c'était toi qui avais la voiture, hein, Jogo? Ouais. Je tente que je rentre dans une maison. Get wrecked. On va faire du démineur, hein. Il est sur mon cadavre, fais gaffe, tu rentres, t'as pas d'armes.
T'es fou? Die bitch! Je rentre à coup de poing, m'en bats les couilles, bitch! Get très gros, non méo. Quel provocateur cet enfoiré! Il renforce le poil, il fonce dessus. Il y a un autre mec à côté de la baraque, Erilio. Ah, il est main nue, putain. J'ai cru qu'il était armé. Vise, je te vois tirer à la hanche, faut viser. Ah, mais y'a des mecs partout! Ok. Putain, j'ai même pas d'armes pour venir. Ah, si, j'ai une AR, je vais venir vous aider. J'ai fait l'air. Ils sont où du coup les mecs? Dans la maison, ils sortent. Ouais, mais y'a un mec dehors aussi, c'est pour ça. J'arrive, je vais les prendre par derrière. On est tous morts. J'ai fait l'air. Ah, ouais, d'accord, ok. Bon, bah, je vais y aller. C'était en mode YOLO. N'importe et... quoi. Bah les coucou, je suis allé au corps à corps à l'autre. J'ai adoré cette scène où tu vois Erilio qui arrive sur allez, le mec. Ah, YOLO. Je vais vous venger les gars. Ça se allez, finit souvent j'ai... justement quand c'est comme ça. Ils étaient combien? Que deux? Non, ils étaient quatre encore. Je vois vos trois cadavres. En plus, le logo de SK Gaming, comme il est trop joli en fait. Bon, je vais aller dans la rue pour faire. C'est tellement bien pensé le mec qui a fait le logo de SK Gaming. J'adore. Ceux qui sont morts, ressortez déjà, comme ça vous êtes déjà sur les menus. Ah, ben non, ils étaient que deux apparemment. Ah, ça y est, je me fais tirer dessus. Yamaru ne reviendra pas. Si, il reviendra. Il m'a fumé, je l'ai fumé le. Ça se trouve, il va arriver à minuit 10 ou un truc comme ça, tu vois. Minuit et quart. Ça veut dire un truc horrible. Le temps de prendre sa douche. Il balance des saloperies. Oh, c'est ça. Bah, tu vois, regarde. Tu vois. Qu'est-ce que vous dites? Bande de mauvaises langues, Carrie Bourgeois, il a dit que tu reviendrais pas. Ah, mais si, j'aurais... En fait, quand je pars, je dis que je pars, tu vois. Oui, voilà, tu te déconnectes et tu reviens plus, quoi. Pars et ne reviens jamais. Principe de partir, en effet. Non, je crois que ça fait trois quarts d'heure que t'es parti, c'est pour ça. Trois quarts d'heure? Ah, quand même. Ah ouais, quand même. Par contre, on a quelqu'un qui est bugué dans le groupe, donc il va falloir livrer le lobby et en recréer un nouveau, les mecs. Ah, ok, bugué. Bah, parce que je sais pas, moi, je voyais 5 personnes dans le groupe alors qu'on était que 4, donc... Non, moi je le voyais pas, mais j'ai livré le lobby quand même. Oui, je suis. Ok. Alors je lance le jeu parce qu'il a. En fait, quand tu restes idle dans le lobby, il te déconnecte. Ce qui se déponge. Ouais. C'est bon, Matt, ou pas? Dans les menus? Ouais. Est-ce que je suis dans le lobby? Le lobby judéo. Non, t'es dans les menus. Le lobby? Je suis dans les menus. Là, c'est bon, tiens. En fait, tu es revenu pour m'écouter râler sur le jeu. J'avoue que ce soir le jeu n'est pas très gentil avec moi, alors j'ai un petit peu de dégoût. Moi je vous ai dit qu'un Matou il reviendrait, ça dépendrait de son endurance. Trois quarts d'heure, c'est honnête quand même. Hein. Ouais, ça va. Douche comprise ou pas? Pardon, c'était facile. Ah bah non. Et même si une douche ça prend 5 minutes, ça va. Je vais pas prendre une douche. C'était facile. Attendez, je vais pas perdre du temps dans une douche, je dois jouer, merde. Reste dans les... Non, c'est mieux d'être dans les vapeurs, après, c'est mieux. Avec le salon, ça fait une semaine que je me suis pas douché, j'ai pas le temps. Pas de temps. Bah, les collègues commencent à être un peu incommodés par l'odeur en régie, mais fondamentalement, moi je m'en fous, je sens plus rien. Ça sent les panards en régie, tu sais. Vous pouvez lancer. Je sens plus rien, ça va, c'était le dicton, c'est si toi tu sens, les autres te sentent. Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de mort groupée dans une voiture avec un bomb drop. C'est vrai, carrément. Moi, je propose de faire la team du Magnum. Oui, tout à l'heure, c'était bon, ça. Les voitures qui explosent en pagaille, quoi. Bon, il y a Jogo qui laisse traîner sa tête, hein, mais...
Il y a laissé sa tête. Qu'on lui coupe la tête. C'est un coup de sniper, c'est sûr. C'est le seul moyen de se faire one-shot. Ouais, je pense, je pense. Parce que, honnêtement, il décale de l'arbre, paf, je meurs. Je fais ok. J'ai le temps de retirer son casque en fait en attirant en même temps. Sauf que moi j'ai retiré son casque et lui il m'a tué quoi. Bah, toi t'as tiré dans le casque, lui il a tiré dans la visière. C'est tout, hein. C'est genre le jeu ultra réaliste. En parlant d'H1Z1, tu sais. C'est ça. T'as plus de chances que c'est Arma 2 qui soit plus réaliste. C'est des rediffs ou ils sont toujours en live sur jeuxvideo.com? Live en direct des toilettes du PGW dans lesquelles on s'est enfermé pour pas se faire éjecter du salon. J'ai été mort de rire, je regardais un truc sur le magasin de popcorn du mec de Scarlett Johansson. Ah oui, quand t'allais aller en servir. Les gens qui sortaient, ils disaient que c'était pas bon. Ah, les bâtards. Ils venaient juste pour voir Scarlett Johansson. Bah, moi, j'y vais juste pour elle, hein, franchement. Non, mais mec, il y avait 4 heures de queue, un truc comme ça, c'est un truc de malade, quoi. Franchement, je l'ai fait, toi. Et je me barre avec elle. Genre, Il faut que t'amènes ta 3DS avec ton truc activé. Je la prends par la main et je me barre en courant. Moi, si je dois faire 3 heures de queue, il faut que ce soit un de mes héros. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit Schwarzenegger ou Jean-Marie Le Pen. Moi, je me déplace que pour Eric Ciotti, voyons. Moi aussi, je t'aime. Mais non, mais. Mais on sait très bien que c'est si tu veux faire dédicacer ton bouquin d'Eric Zemmour. Oh, par Robert Ménard, bien sûr. Pardon. Oh la totale, tu sais. Tu collectionnes les signatures de tout ce coup. Oui. Avec Alain Soral aussi. Il collectionne les signatures de tout ce coup. En plus, moi qui suis dans le combat animal, Ménard, c'est genre littéralement le pire qui soit. Il collectionne les signatures des fils de pute. J'ai mon petit livre, c'est tous les enculés les pires, tu vois. Ah ouais. Tous les pires enculés de la Terre, le mec, il a tous les autographes, quoi. Il y a tellement de trucs à faire. Tu dois avoir en plus, tu vois, et tu vois, c'est méchant parce que avant de parler de cette catégorie-là, on enlève Schwarzenegger, qui est quand même quelqu'un qui a fait des bons trucs. Oui, non, c'est un bon gars. Lui, il rentre pas dans cette catégorie. Donc, attention, il est républicain quand même. Hein. Oui, bah il a déclaré que c'était la première fois depuis 28 ans qu'il allait pas voter républicain. Donc, c'est un républicain progressiste. Voilà, c'est un écolo, il a fait énormément de choses pour l'écologie en Californie. Et il a participé à la légalisation du cannabis. Que le pollute de l'Inde. What? I want to save the planet, don't get the chopper. C'est absolument pas Schwarzy en plus. Si, c'est un peu ça. Get into my Toyota Prius. C'est putain chinois. C'est un chinois qui essaye de parler américain. Bon, bah, ouais, juste en dessous de nous, non? Bah, le supermarché, juste en dessous. Ouais, ok, l'union fait. Ah, y'a une bagnole de police juste à côté. Oh, je sais qui m'a poussé là. Oh, je pars en couille dans tous les sens. Ah, qui t'a poussé? Ouais, y'a quelqu'un par ville qui m'a poussé. Je dis pas, oui, Schwarzenegger, peut-être que c'est un connard dans la vie, je sais pas, hein, mais en tout cas, lui, politiquement parlant, il a fait des bons trucs. on peut dire ce qu'on veut. Ah, c'est bon, c'est Jogo, putain, j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu fais, Jogo? Touche. Jogo, qu'est-ce que tu fais? Jogo, you're drunk. Put that coconut down now. Put that cookie down now. Oh putain de merde, y'a un sac à dos ici pour quelqu'un qui voudrait. Putain, j'ai tenté ma chambre sur le camp de titan, y'a que dalle. Y'a un quad. Sac à dos. Ah, j'ai trouvé une arrière. Oh, c'est dur à gérer un quad. Ah oui, oh, ça glisse le quad. C'est pas facile à piloter un quad. Oh la vache. Pas pour les PD. Hein. Je te parle pas d'ici ce langage. Y'a un casque là si tu veux, Yama. Yama, il joue sans casque, c'est trop facile avec un casque. Parlez bien des homosexuels parce que je suis la police LGBT. Hein. On respecte les homosexuels et les mamans. Avec mon casque arc-en-ciel et mon militaire backpack rose à tête de mort. On respecte les homosexuels et les mamans.
Et les mamans, surtout les mamans. Ouais, surtout ta mère, je la respecte. C'est... Ah, très bien. J'avoue, ton casque, il me fait envie. Putain, j'ai un problème. Il irait bien avec ma tête. Il y a un militaire dans les lunettes, là. J'ai scrappé des items, okay. Du coup... C'est bon, ça remarche. J'arrivais pas à, ouvrir mon inventaire, en fait. Ah, c'était un peu ballot, ça, pour le coup. Bon, et ça vous dit pas qu'on bouge, là ? On a fait j'ai juste un magnum, en plus. Personne n'a un casque en trop ? Faut tout ce qu'on est un magnum. Ouais, tout ce qu'on a un magnum. Il y a un fusil à pompe, là, si tu veux, toi qui n'as pas d'arme, Matt. Comme ça, dès qu'il y a une bagnole, le mec, il se prend 5 coups de magnum. Franchement, je vais pas l'utiliser. Je préfère le magnum. Ouais, mais t'auras toujours une arme. Il y en a plein des fusils à pompe, là. Fusil à pompe à close range, ça one shot, hein. Je pense qu'il faut... Enfin, ça one shot. Non, ça one shot. Sauf quand c'est moi, qui m'en sers. Ou sauf quand c'est Docteur. Non, mais il faut que ton viseur soit plein dessus. La vidéo qu'il a sortie l'autre jour. Si, il y a un bug. Ça, tu t'es mis à la tête. Non, mais c'est un. En fait, le charger. Attendez, je vous explique. Quand vous chopez un shotgun et que vous le chargez, prenez toujours la peine de tirer un premier coup parce que le shotgun est buggé. Et il y a des fois où en fait, tu tires et il n'y a rien qui part. Donc en gros, si tu tires contre le mur, s'il n'y a pas d'impact, tu le poses et tu le reprends. Attends. Mais un coup, pourquoi vous tirez deux coups ? J'en ai tiré. Bah parce qu'au début, j'avais pas tiré contre le mur. Bon, ça vous dit qu'on bouge ? On se casse, oui, se casse. Parce qu'on est pas dans la zone en plus, donc fort. Attendez, je vais prendre les clés du coup dans le squat parce que je pouvais pas les prendre. On est pas dans le Bronx, c'est tout. Voilà. Attends. Ah, c'est toi qui fais des bruits de dérapage là ? What ? Comment tu fais ça ? Il appuie sur la barre d'espace et sur avancer. C'est du burn ! Ouais, ça burn pas beaucoup par contre, mais. Non, moi je l'avais pas burné donc c'est parfait, c'est bien bugué. Get to the chopper. Get to the chopper. On continue sur la route, voir s'il y a pas la bagnole, l'autre bagnole. Ça, ça a déjà été looté par Eri lui aussi. Ouais, ouais. L'armée du salut. Courez ! Vous savez que tout à l'heure. Il y a l'autre voiture, je crois, non ? Tu la vois la voiture ? Attends. Quand t'es mort prématurément tout à l'heure, Jogo, à la fin c'est Iso qui m'a tué d'une balle. Ouais, il m'a dit. Enfin, non, il me l'a pas dit, il a fallu que ce soit. Je lui ai dit que ça s'était terminé dans la tristesse. Si, si, j'ai dit, c'est moi qui en ai parlé. Dans la misère et l'opprobre. Ah, mais enlève-moi le casque ! Il y a un. Magnum là, pour ceux qui en ont pas. Là, je vois bien. Là. Et un putsch. On prend deux voitures ? Ouais, vas-y. Alors, qui a les clés de la deuxième ? Moi. Bah vas-y, y'a ma conduit. Fais pas le con, tiens pas sur la bagnole. Et monte. Yama il a confiance en moi encore. C'est beau. Oui. Surtout, surtout qu'en fait il a jugé qu'il a pas confiance en moi, donc du coup il monte avec toi, c'est surtout pour ça. Non, j'ai confiance en toi un peu plus en ce moment, tu fais... Enfin, depuis deux jours tu fais plus trop n'importe quoi en voiture, tu t'es assagi, c'est bien. Comme disait ma grand-mère quand j'étais gamin et que je conduisais horriblement mal, elle me fait « Ah, c'est bien, t'as conduit, assoupli. » La conduite, c'est assoupli, ça c'est le bon mot. Ma grand-mère, c'était trop drôle parce que elle montait côté passager. Ouais. Et je savais que j'abusais sur la conduite à partir du moment où elle saisissait, vous savez, la poignée sur le côté de la portière. Ah oui. Elle avait les jointures, les jointures des doigts blanchis, tu vois. Il y a des voitures où c'est en option, la poignée. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est en option. C'est ma grande question. Une bonne question. Je vous mets une AK des munitions par terre. Vas-y. Ah, je veux bien les munitions d'AK. Get into par contre, the chopper. Si il y a des munitions derrière parce que j'en ai que 30 donc. Si quelqu'un en a un masse. On y va. Vas-y, je suis derrière. Je suis assis à l'arrière. C'est qui voulait c'est Matt qui voulait de l'AK ? Ouais, c'est moi qui ai pris l'AK. Bon, bah, prochain stop, je t'enfile la moitié des 60. Non, vas-y, t'inquiète pour l'instant. Descendez ! Oh là là, putain, vous prenez du temps. On fait des baraques. Bah en première personne, tu vois pas tout ce qui se passe. Non mais si, je suis partisan pour que quand le chauffeur il saute de la voiture en route, il dise aux autres de descendre, tu vois. Ouais, oui. Parce que on n'est pas forcément au courant quoi. On n'était pas en route, on était juste sur le dos. Et dès qu'il attend, et Rio, tu te rendais pas compte que la bagnole était sur le dos ? J'étais en train de lire le chat en même temps. Voilà, c'était tiens. Plus ça en fait. Le Rio, sur mon cul. C'est pour Rio, touchez pas. Merci. Touche à ton cul. Pas touche minouche. Oh, ça tire.
On est encore 71, hein. Bravo, bravo, pilote. Ouais, on est pas à la zone. Bravo, pilote. Chauffeur, si t'es champion. Appuie sur le champignon. Tous à poil et on se caresse. Pardon. Non. Elle est pas de moi, les deux Yamato. Un papa, une maman, y'a pas mieux pour un enfant. De quoi, on a tous besoin d'un papa, d'une maman et d'une pelle. Redevant, ça tient. Yes. Est-ce qu'ils seraient pas sur les toits? Mais ou alors ils sont sur les toits? Non, ils sont de... pas sur les toits. Ils sont droit devant dans l'allée. En plein milieu de l'allée. Non, on peut gagner si on croise personne. Ça, on sait le faire. Vivez caché. Ils sont où, t'as dit? Sur le toit. Bah voilà, ils étaient bien sur un toit. Donc. Il n'y a plus de casse sur le toit. Ah, oh, mais il y en a aussi sur l'allée, en fait. Ouais, en plein milieu sur la grande allée, il y a du monde. Il y a un mec sur le toit qui a plus de casque. Mais quel toit? Point cardinal, s'il vous plaît. Droite, nord-nord-est. Moi, par rapport à nous. Ok. Ah, je vois le... Je pense pas. Quel te toit, pas tu te n'avance pas trop vite, Matt. Fais gaffe. Ouais. Email de flic. Ouais, deux bagnoles de flics même. Ouais. Bah attendez, moi j'ai une idée, hein. Il y a trois bagnoles. Mets la route. Voilà. Dans le magasin nord-nord-est, il est dedans. Ouais. Putain, mais merde, oh, quoi. Je sais pas viser aujourd'hui. C'est bon, t'es moi, pas j'ai... mort. Non mais il est pas mort lui non plus, ça me saoule. Je suis au plein sur sa tête, quoi. Magasin qui est à droite de la route là. À côté des voitures que t'as fait péter là. Le premier magasin. Le plus bas là. Juste à côté du bâtiment qui grimpe là. À côté du pick-up marron. Oh mais merde, mais d'où il me tire dessus, je le vois pas. Putain. C'est mort ? Mais oui, mais il me tire du toit et à travers un parasol il me tue. J'ai l'impression que ça m'a donné. Du toit de là-haut ? Tu le vois? Non, il est pas sur le toit, non. Moi je vois rien du tout là. Il sort du magasin, il est sur un pick-up. Je le vois. Je le vois. Non. Là il est en train de... Il est retourné dans le magasin. Je lui en ai mis une. Ouais, il est dans le magasin. Attention, moment ninja. Iso ninja. Kawabunga. Mais par contre après pour redescendre de ce toit là, je suis dans la grosse merde. Mais... Si je le vois venir vers moi... Je vais me casser une jambe pour redescendre. Pour l'instant il est dans le magasin, c'est sûr. Attention Erilio, attention. Il était à l'intérieur du magasin. Il est fait comme un rat. Il est toujours dedans, c'est sûr. Ah, attends. Il est vers la sortie, là. Il est pas sorti, mais je l'ai vu ouvrir la porte. Ok, je me suis pris une balle. Il est dans le magasin, au fond. Bon, faut que je... Attention, Erilio, cours, casse-toi. Casse-toi, j'ai raté ma grenade. Voilà, nice. Nice. Bon, on va pouvoir looter tout ce qu'il y a là. Sur la route et tout, il y a des ça va finir en peloton d'exécution dans une ruelle sombre. Totalement. Putain, mon jogo. Putain, de l'essence. Jogo, il est parti en PLS là. On peut prendre une voiture chacun. Il s'est allongé par terre en boule. Il attend que ça passe. Oh là là, les balles. On n'a pas de sens. Oui, je sais, Carrie, c'est prévu que je me soigne, mais je préférais aussi me faire des medkits, enfin des bandages avant. Putain, Jogo, le meilleur d'entre nous. RIP, Titan, je suis parti trop tôt.
Je suis désolé, Jean. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Oh non, mais c'était drôle. C'est une bonne guerre, mais bon. Oh, gaz, 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 on est pas dans la zone, gaz, les mecs. On gaz est pas dans la zone, ouais. Vite, 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 vite. Non, Yama, Carrefour. Yama. Carrefour, Carrefour. Je suis là, Yama. Bandage, j'arrive, vous. J'arrive, les gars. Bandagez-vous, bandagez-vous, vite. Non, mais dépêche-toi, cours, cours. Oh putain, ah oui, il est loin, d'accord, ah oui. C'est bon, j'arrive, je suis là. Ouais, bah, ça va être chaud pour nos culs, hein. On en est loin de la zone. Moi, c'est bon, j'avais fait un kit pending juste avant. Non, t'inquiète, ça va aller, tu vas plein nord. Ça ne se finira pas en Allemagne, vous inquiétez pas. Voilà, on est sorti. Voilà, ouais. Easy. Plus on a looté, bon, la bagnole, elle est pas dans le meilleur état possible, mais elle est acceptable. Ah, moi, c'est bon, je suis archiste. Bandage. Vendage tout le monde, vendage. Voilà. C'est bon. J'ai pas eu le temps de faire maintenant. Bondage tout le monde. J'ai des clés sur moi. Je les donnerai du coup. Félicitations, après. Tu as ton permis. Non, non, mais j'en ai deux. J'en ai bravo, deux. Tu as double permis, bravo. J'ai permis poids lourd. Faut vider la zone avant. Y'en a un qui est... Est-ce qu'il y en a un qui est surchargé de kit? Non, pas cette fois. Non, j'en ai que trois là. Un. Est-ce qu'on a tous un magnum, s'il vous plaît? J'ai pas fait l'hosto, oui. Oui. Bon, par contre, j'ai 12 balles, mais... J'en ai 24. Faut un responsable du gaz. On va t'appeler GDF. J'ai chopé un bidon d'essence, deux bidons d'essence. Ah, c'est une blague pas drôle sur les juifs. De quoi? En fait, à la base, c'était pas une blague pas drôle sur les juifs, c'était un truc qui est sorti naturellement. Tu t'es retenu? Ça va se finir en Allemagne. Ouais, non, ah, non, le non, ça va se finir en Allemagne? Ah non, c'était totalement naturel, c'était un truc complètement c'est au ça, pif. Le problème. En fait, c'était. En fait. Ah oui, 3, 4, 3. Vas-y, on descend, non? Vas-y, descendez. Donc, le ça va se finir en Allemagne, c'est parce qu'à la base, on a vu que ça allait se finir à l'est. J'en ai pas hit 1. Mais il prend pas ses hits, sérieux. Ouh, il m'a hit. Abusé. Il est où? Il est derrière un arbre. Mais t'es sérieux? Mais moi je sais même pas d'où je prends les balles. Ah putain, il t'a tué. Oh merde, la bagnole. Cassez-vous, on est... Ouais, on est contourné, c'est sur le côté gauche là-bas. On est encerclé, ouais. Tristesse du truc, quoi. Ah, y'a un mec là-bas, effectivement. Je vais dans la forêt derrière. Aïe, oh, c'est aïe, la tristesse, aïe, quoi. Aïe, non, là, on était complètement encerclé de ouf. Ouais. Mort. C'est bon, on va rejoindre Jogo, c'est cool. Le mec qui voit le positif dans le négatif. Jogo, on arrive. Top 12. Ils sont en train de mourir? Bon, allez, ultime. Oh, on est mort. Parti. Ah, vous êtes mort, merde, j'étais en train de. Tous fait sécher. Tiens. Ouais, on aurait dû les rush en fait. Moi, j'ai coupé mon stream et personne donc. À un moment donné, j'en ai un peu marre. La triste. Bon, voilà, moi je suis dans les menus. Tout le monde dans les menus? Dites-moi quand vous voulez. Menuing is strong today. Non, pas encore. Menuing is strong with this one. The menuing will be with you. Always. C'est bon, moi je suis dans les menus aussi. May the menu be here with you. C'est bon, Iridio? Attends. Use the menu. C'est bon. Luke, use the menu. Je crois que le changement de mot dans cette phrase qui me fait le plus rire, c'est use a fork, Luke. Quoi, le mec qui mange. Eh, maintenant tu le fais avec la voix de Marine Le Pen. De Jean-Marie Le Pen. Use the fork, Luke, let's go. Mâche pas. Oh shit. Use the fork. Et en plus, je te dis que je le fais pas bien, mais écoute-le quand il crie Get it to the Japper, c'est vraiment comme ça. Hein. Ah, moi, moi, j'ai pas dit que tu le faisais pas bien. C'est sûr que au pas niveau de la queue, on a 130 ou 1300 oui. On a 125. Nous sommes à 126. Et quand on est ma queue,
de ma queue. Tu veux ma queue. Si tu vois la deuxième parenthèse, c'est que c'est bon chiffre. C'est quand tu vois pas la parenthèse que c'est bugué. Yamato. Oui. Yamato. Avec la voix suave. Dans la queue, Yamato. Tu aimes jouer au billard, Yamato? Est-ce que tu aimes pousser des boules dans des trous avec quand de la queue? Je vais passer la queue à la craie de queue de billard. Tu aimes quand les boules s'entrechoquent. Une queue de billard, 199 euros. 199 euros. Mais ça, on l'a déjà dit. Ça, c'est les références que ceux de moi peuvent comprendre. Tu aimes les films de gladiateurs? Tu as déjà visité une prison turque? Tu as déjà vu un homme tout nu sous la douche? Est-ce que tu aimes quand ton chien se frotte sur ta jambe? Est-ce que tu aimes quand Scrappy se frotte de haut en bas sur ta jambe? Refais-la correctement, s'il te plaît. Est-ce que tu aimes quand ton chien Scrappy se frotte sur ta jambe? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu aimes pratiquer l'illustration? Mais tu sais que cette séquence-là, aujourd'hui, ce serait pas possible de la faire? Non. C'est qu'à cette époque-là, on s'en battait les couilles, mais aujourd'hui, ce serait pas possible. En parlant de battage de couilles, est-ce que tu pratiques l'illustration phallique répétée? Dans la ville. La ville ou... Ouais. La ville. Ouais, la station-service, il y a une bagnole, mais je crois pas, non. Donc la ville. Ok. Quatre bagnoles de flics, l'une à côté des autres, nord-ouest. What? Si... Le stream divague, bah oui, le stream divague, il est plus de minuit, ça y est, on part en couille. Hein. 4 bagnoles de flics, c'est pas en couille. Ouais, l'une à côté des autres, donc maniez vos culs, prenez-en au moins une. Non, une, j'en ai une. Ah, moi, je suis trop loin. Quand l'éléphant s'astique, sa grosse trompe, toute la savane tremble. Moi, ça me fait penser au faux documentaire des nuls, quoi. Ah oui. Moi, j'ai la voiture de flic. J'en ai une aussi. Autant dire qu'elle a intérêt à voir la chatte en acier, mais pas en papier crépon. Ça va trop loin. Ah, c'est pas moi ça, c'est les nuls. Ouais, je n'ai fait que reprendre la phrase du sketch. Ah, ça serait facile si on disait ça. Ah, c'est pas moi, c'est lui qui le dit. Bah oui, c'est ça. Hein. Je ne fais que reprendre, moi, monsieur. Tu as raison, faudra que je rajoute le logo moins de 18. La police LGBT est prête pour l'action. Bon, j'essaie de vous rejoindre. En vie, de préférence. J'ai un gilet pare-balles pour qui veut. Because you know I'm still standing. Là, j'en ai deux. Tu veux? Bah, John, il s'étonne qu'on fasse des blagues gays après. De quoi? Tu chantes du Elton John et tu t'étonnes qu'on fasse des blagues gays? Bah alors, petit coquinou. Tu aimes le rock? Tu aimes George Michael? Freddie Mercury? Pardon. Freddie Mercury était bisexuel. Oui, ah puis, bon il faisait de la bonne musique. Il était bi, ouais, il était pas homo. Mais après, George Michael aussi, cela dit, moi j'aime bien ce qu'il fait George Michael. Bah ouais. Il est pas les homos, en fait, comment on saurait comment s'habiller sinon arrêter un petit peu. C'est eux qui ont le goût. Hein. Celui-là qui est tombé récemment. Oui. Et du scotch. Du coup, les trois bagnoles, moi j'ai vidé l'essence, hein, les trois bagnoles qui étaient à côté. J'ai pris l'essence, les clés pour vous. Donc, Tu les as siphonnées un bon coup. Ouais, il y a une bagnole qui bouge autour de moi. C'est moi. Elle bouge encore, la gougresse. Calme-toi. Ah bah là. Ah bah là, tout de suite. Oh mon dieu. Le stream de la dérive, quoi. J'aurais pas dû couper. Le stream du dérapage. J'aurais gardé les dossiers.
Bon alors, ce message s'adresse particulièrement à Jogo. Joue safe. Mais il stream pas en plus. J'en ai marre de devoir mourir. J'en ai marre. Ça me fait trop mal à mon Kokoro. Non mais il stream plus donc c'est bon, il va pas mourir. C'est ça. Ah, voiture. Ok. C'est moi. Ça serait moi ou Izu. Ça a fait boum dans un mur. Non, c'est bon, c'est moi, tu sais. Il faudrait faire le gang des pêcheurs marins comme on est tombé l'autre soir. Ah oui, bah oui. Le gang des... Moi j'appelle ça le gang des Bretons. C'est ça. Les mecs, ils avaient tous la parka jaune. Le gang des pêcheurs de Saint-Jacques. Oh là là. Bite the bullet, pardon. J'aime bien la voix hyper masculine. Ouh là là! Il y a une voiture, non? J'ai entendu une voiture et c'était pas une des nôtres. Ouais, c'est pas une des nôtres, elle a tiré sur Yama. Ah. Ils sont où les bougres? Vas-y Yama, nique-les! Est-ce qu'on peut les avoir de là où on est surtout? Ouh là là! De toi, là. J'ai mis des hits mais j'ai pris très cher, hein. T'as je pas monte sur le toit. Ils sont vers où par... Enfin ils sont non, on pas long, on est niqué. Casqué à gauche. Ils sont sur le toit? Y'a quelqu'un sur le toit? Ouais, je suis sur le toit là, derrière à droite. Je crois rien. À gauche il doit faire le tour. Gâte, carte de la bagnole Yamato, ouais. S'en fout, on en a plein des bagnoles. Je l'ai casqué à gauche, à droite. Ouais, j'en vois un à gauche. Dans le magasin sur la gauche. On a des voitures, de toute façon, vous en faites pas pour nos bagnoles, si elles pètent, c'est pas grave. Ouais, du coup, là où on est, on voit pas grand chose. J'ai essayé de les contourner. Je pense qu'ils essayaient de nous prendre à revers en fait, hein. Attention, hein. Non, personne. Ah ! Ok, ils nous attendent. Ouais, ils essayent de vous prendre à revers. Ils sont dans le grand bâtiment rouge. Il y en a deux qui attendent à la porte arrière. Il y en a un dans le petit bâtiment sur la droite au croisement, juste. Je vais monter sur le toit. Silence, on a besoin de bruit. Bâtiment encore attention, Jogo. Ouais, mais j'entends rien. Il me drop. Putain, je l'ai pas touché quoi. Clé radio à part pour l'information, s'il vous plaît, juste qu'on soit sûr. Vous déplacez, on vous voit, vous en faites pas. Le bâtiment à droite au croisement, toujours. Le petit resto. Ah, y'a un mec sur le toit. Derrière le logo du toit. Devant le bâtiment à droite. Mais t'es pas sérieux là? Parce qu'il y a des putains d'objets au sol et ça me fait monter dessus et ça nique la précision derrière. Aussi. Ok, alors je suis monté sur le toit. Ça arrive. J'avoue que les mecs, on sera pas dans la safe zone, hein. Faudra bouger nos culs. Ok, je vais le niquer. Ah, y'a un sur le toit qui a sauté. J'en ai fumé un. Moi aussi, j'en ai touché un. Et y'en a un autre dans le magasin. Ouais, j'en ai touché un. Je suis très peu de balles, je suis dans le caca. Il tire sur moi maintenant. Est-ce qu'on est dans la zone ou non? Non, on sera pas dans la zone. Mais on a un peu de temps avant que le gaz arrive jusqu'à nous. Putain, j'ai fait une grenade, ils sont pas morts? Les deux, ils étaient sur la grenade? C'est de la merde ce jeu! C'est eux la voiture là? J'ai plus de balles. Moi je suis mort. Ouais. J'ai deux mecs en face de moi, je suis dans le caca. Il va falloir que je descende de là où je suis parce que les mecs sont cachés. Ils sont toujours au même endroit dans le magasin? Non, ils ont bougé depuis. Comment tu fais pour passer des flèches thermales aux flèches explosives? V. Deux fois. Qu'est-ce que vous dites? Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il vous dit?
Où sont-ils là? Formidable. En face de moi, sud, vers le sud. Des temps nouveaux. Bien joué, Choco. Putain, mais je stream pas quand j'en tue 5! J'avoue que t'as 5 kills. C'est parce que t'es vénère, justement. Ah, mais je suis assez énervé. Je... pas le bon mindset à avoir. Par contre, j'ai plus de. Tu penses que tu les as tous tués ou pas? J'en ai tué 5. Ouais, mais écoute, il peut y avoir 2 groupes. Hein. Bah ouais, mais. Bon, j'en sais rien. J'en ai le temps d'en looter un, donc à mon avis, je suis bon. Hein. Bah, prenez tout et on se casse. Et s'il y en a un qui a des kits de soins à dépanner, des bandages, parce qu'il va falloir bouger nos fions de toute façon. Donc... vous êtes combien, Hiro? Vous êtes 3 encore? 3, ouais. On est 3, ouais. Oh, c'est cool. Jogo, il a fait le ménage. Ouais, mais il streamait pas, alors ça n'existe pas. Ça n'a... Non, mais là, mon dégoût est vraiment palpable. Oui, j'avoue, il y a un mec qui vient de faire 4 kills avec son magnum. Il a fait sauter une bagnole, ça a fait un gros carnage. Vous avez tout looté là, c'est bon? Faut qu'on se casse, on n'est pas dans la zone. T'as tout pris sur les mecs, Jogo ou pas? Je suis en train, mais j'ai pas fini. J'ai tué 5 mecs, je te rappelle. qui rajoute une couche. Mec qui en rajoute une couche, ouais. Bon, je vais aller juste looter le mec que j'ai fumé. Ni de te la raconter ou pas? Il y a des balles d'AK, il y a encore plein de trucs à récupérer si vous voulez. Je vais mettre votre live. J'arrive. Une live, moi je live plus. Juste laisser des bandages s'il y a ou des gens d'autres. Bah tu shreds tout ce qu'il y a sur les mecs, hein, de toute façon. Ouais. Bon bah moi je vais jouer avec une AK. Hein. Encore là un cadavre. Bon, par contre faut qu'on bouge nos culs. Hein. On n'est pas dans le casque. Enfin on n'est pas dans la zone. 93 la voiture, bon elle est bien. Tiens, j'ai des clés de bagnole, vous en avez tous? Ouais. Ouais, j'en ai. Jogo il est en mode vénère, c'est bon. Allez, monte dans la voiture. Dépêche-toi. Attends, j'ai pas des balles de pompe quelque part. Parce que c'est avec ça que je les ai tués quand même, donc bon, à un moment donné. Et Rilio, on avait sur lui, mais... J'avais plus de balles de... d'AR en fait, et donc du coup j'ai sorti le pompe et ils sont... Il y a des mecs nord-nord-est, au moins un, qui passait la forêt et qui est en train de se ramener. Ouais, il y en a un. Go. Ouais, c'est bon. Il t'a vu. Je comprends. Il en a pris une. Il en a pris deux. Oh merde. Il est mort. Y'a un mec là-bas. Oh, il m'a fumé. Ah, le bâtard. Mais bon. Il y a l'autre derrière. Désolé, j'en avais vu bâtard, qu'un. On se casse, y'a le gaz. Vite, monte. Ah, mais roule pas. Bon. En plus, on doit traverser putain, un putain de. Mais c'est où qu'il faut aller, bordel? Roule, va à l'est. Mais je vois, y'a des. À l'ouest, pardon. Ah, bah ouais, on est dans la merde. Vas-y, tourne, coupe tout droit là. Non! Mais dans les dérapages, c'est pas facile. Mais oui, il faut pas faire de dérapage. Bon, moi, je vois rien, hein. Tu vois quelque chose, toi? Mais oui! Bon, à pied. Fais les bandages, je sais pas si je vais survivre. Putain. Fais les bandages aussi parce que. Monte. Vas-y. Bah t'es en train de te bandage, je me suis bandage aussi. Là c'est bon, on y est. Ok, faut que absolument je me sens, je suis à 20 HP. 31 de toxique, mon dieu. C'est pas que ça oublie le gaz, c'est qu'on s'est retrouvé à gros des mecs. Ouais, non, moi j'étais parfaitement conscient des gaz, c'est pour ça que j'ai dit faut y aller. Bah oui, mais dès que tu m'as dit on se casse. J'ai claqué mon seul medkit. J'en ai, attends, je t'en partage. Merci.
Une game où on a tué des gens déjà. T'en as tué 5, j'en ai tué 2. Vas-y, monte. Et le troisième, il va mourir sûrement dans, dans d'horribles souffrances dans le gaz. Prends celle-là. Madame Iso s'amuse et elle veut mettre le Dyson derrière, sur le fond de l'écran. Voilà la pub, le placement marketing. Voilà. Ça l'a fait beaucoup rigoler. Bon, sur ce, messieurs, je vous laisse. Bon courage. Bonne nuit, Matt. Et bisous. Ouais, elle fait du placement produit, Madame Iso. Elle a sorti, sorti l'aspirateur et elle l'a mis derrière. Un aspirateur tout neuf et elle en est très contente. Alors, que, Dyson, c'est moi, c'est vachement bien. Alors que c'est moi qui ai passé l'aspi avec. Ah oui, non, ça change la vie. Ça, je suis d'accord. Franchement, un aspirateur qui aspirait plus, Dyson, ça m'a changé la vie. c'est pas un sèche-linge Lidl, c'est un truc Carrefour. Hein. Non mais... T'aimes pas les arbres ce soir. Non mais je regarde autour de moi, alors c'est vrai que... les petits arbres, c'est vrai que je fais pas gaffe. Le drop il est nord-ouest. Je l'ai vu, je t'en rassure. Ouais, non, mais je te le disais si tu l'avais pas vu, quoi. Je go check les trucs, mais pas pour les loot. Non, non, on est bien niveau loot, là, c'est bon. Hein. J'ai peu de balles d'air, en fait, surtout ça, mais... Genre combien? J'en ai 42. Mais j'ai 300 balles d'AK, donc... Ah, c'est peut-être pour nous, là. Oui, c'est pour nous. Ah non, c'est pour en face. Sors, je te donne des balles d'air. Il y a des mecs. Oh, évidemment, évidemment. Mais t'es pas sérieux? Putain. Fucking camper. Fucking camper. Pas sérieux, quoi. Putain. Ah non, mais j'y avais aucun moyen de savoir qu'il était là. Hein. Je suis désolé, hein. Non, mais c'est pas grave. Moi, je commence à fatiguer, j'ai fait n'importe quoi quand je suis arrivé sur lui, quoi. Bon, je vais essayer de la finir quand même, parce qu'il reste pas beaucoup de monde, donc si vous voulez vas-y. Lancer une solo. Ou lancer une 5 sans moi, hein. Bon, on est... Il reste 18 personnes. On est que 3. C'est très bien comme moi comment ça se passe. les 3. On a fait un top combien, du coup? Mais il est pas fini, pas mort. Je suis pas mort, j'en ai tué un sixième. Jogo, remets-toi à streamer. Non, mais le temps qu'il relance son stream, il va se faire crever. Il veut pas. Il va essayer de la gagner. J'ai le temps. Hop, c'est bon. T'es mort? Non, c'est bon, j'ai relancé le stream. Mais quelle crapule, quoi. Bah t'as vu, il est toujours en vie, du coup? Non, il est parti se coucher, Matt. D'accord, on a fait un top combien, du coup? Bah c'est pas fini. Jogo est pas mort. Il a lancé son stream. D'accord. Mais je croyais que vous étiez plus que deux en vie. Oui, je suis mort. Ah, c'était Jogo qui était encore en vie. Je me suis sacrifié, c'est Jogo qui a tué le mec.
J'avais pas compris, ok. Bon, j'ai pas mon chat encore, donc si on me dit de la merde, je saurais pas. Pompe pleine tronche, elle a juste envie de retirer son casque. C'est bon à savoir. Et toi, tu t'es fait couper en deux, c'est ça? Ouais, non, mais ils étaient deux sur moi. Il a eu du cul, hein, parce que je l'ai mis plein de bois. Et là, qui aime à planter, génial! Hop là, c'est bon, la honte. Bon, je suis arrivé dans les menus. 12e. Attends, tu es 12e? Oh, merci pour le. Non, non, 14ème. Le gogo. Notre groupe était 14ème, c'était toi qui étais 12ème, non? Non, moi je suis 12ème, moi. Ouais, voilà. Ah, donc on a fini 14ème. Bon, donc si t'es dans les menus, je vais exciter. C'est qui t'a follow? Le gogo du 57. C'est moi qui les ai envoyés. J'ai envoyé ton lien. De toute façon, je dis toujours merci à Erilio. Chaque fois qu'il me restream. Toujours. Ok, on lance une petite dernière. Allez. Oh, moi je joue, pas de problème. De toute façon, moi je travaille pas demain, donc... Je suis dans les menus. Vas-y, lance. Je remets juste mon setup de stream. Mais là, donc, maintenant, c'est fini. Hein. Je vais plus faire les kills, c'est mort. Bah non, tu stream, faut pas trop demander, quoi. Je l'avais dit, hein. Il stream, le premier mec qui va croiser, il se fait sécher. Ouais. Micro de retour, désolé, c'est-à-dire que le setup était à la zob, carrément. Merci à Dino pour le follow, je fais une poussée pareil, c'est avec... c'est via Erilio. Yamato, il est là? Oui, tu peux lancer. Ah, Jogo, on peut pas le critiquer, il a fait une grande game. Il a tué 6 mecs, oui. il a tué 6 mecs, moi j'en ai tué 2 pour avant qu'on se retrouve dans le gaz, c'était déjà... Déjà 7 mecs morts par de nos mains, c'était déjà quelque chose d'assez exceptionnel. En live. Ça arrivait pas. Moi je me suis fait sécher. J'ai ouvert la porte, je suis mort. Et puis surtout... Le mec qui était en plein milieu de la pampa, je le kill propre, tu vois, c'est vrai, un kill propre. Non, c'est pas un truc fait à la rage sur un spray and pray, tu vois. Oh, merci pour le follow de MyXD. Le 7ème est pas passé loin, mais c'était un... Même pour le coup, ça m'a surpris, parce que les autres, je les ai tués avec des coups sur la poitrine. Lui, je le tire en plein dans le casque avec le fusil à pompe, et je ne le tue pas. Bah, faut viser le buffet, en fait. J'ai chopé un gilet pare-balles rose avec des têtes de mort. Oh yes. C'est bon, toi t'as tous les skins en fait. Il y a tous les skins kéké rose en fait. Merci pour le follow, mademoiselle Fifi. Twitch alert, enfin Streamlabs a pas suivi. Non, parce que mon bot il a annoncé le follow, mais Streamlabs il a rien envoyé du tout. Ah voilà, il est arrivé 3 plombes après le truc. Ouais, ça arrive. Et là, il s'amuse à faire des paris avec mon bot, c'est depuis tout à l'heure, il parie sur les games qu'on fait. À chaque fois, ils sont déçus quand on meurt. Ils sont en mode non, on a pensé que vous faisiez mieux. Tu sais, c'est comme j'ai vendu du rêve à tous mes viewers quand j'ai fait du 1v1 sur Rocket League. Ça, ils pariaient tous sur ma victoire, les mecs, je leur mettais des stomps, etc. Et la deuxième soirée, on a fait des trucs comme ça, on a joué en 3v3. Ah bah, ça marche ça beaucoup moins bien. Dès qu'il y a une balle, toi t'es bon en fait, c'est ça? Putain, y'a un motorcycle helmet de Dr. Disrespect dans le jeu? Ouais, je l'ai. Abusé, tout à l'heure on avait des top 5 et top 10 dans les votes, là y'a rien. C'est que du top 15, top 20. Ouais, top 20 c'est déjà pas mal, hein. Supermarché. Parce que top 20 c'est déjà pas mal. Disons-le comme ça, hein. Supermarché, vous voulez dire le. Merci pour le follow, Aurélien. Ouais, ouais, là, on est allé tout à l'heure. Oui, moi je vois spawn de voiture, il y a une Jeep à l'autre qu'habituel là, dans le petit camp.
Ah mais le 3v3 en... sur Rocket League, c'est bizarre, mais on n'y arrive jamais, quoi. Du moins en stream. Hors stream, j'étais que je suis quand même monté Diamond, quoi. C'est... Mais en stream, c'est la galère. Est-ce que t'as Shine Bright? Ouais. In the sky, like a diamond. Bonjour Jogo, tu es loin de la sortie, est-ce que tu voudrais bien sortir dehors, s'il te plaît? Parce que sortir dedans, c'est plus dur, déjà. Mais... Il y en a qui ont essayé, ils ont eu, ils des, ont problèmes. Eu des problèmes. Ils sont restés coincés. Le monsieur te demande si tu peux sortir. Je vous demande de vous arrêter. Ah, voiture. Ah oui. Ah non, c'est toi, d'accord. Ok. Préviens, bordel. C'est El Roganito. C'est Jogal. Regarde à toi. Faudra un casque. Ah, une pouch. T'es pas le seul. Une push. Une push. Et j'avais besoin d'une push. Ça y est, on l'a retrouvé, culottes. C'est bon. Y'a rien. Ah oui, je sais pas, j'ai une période de rage. Il fallait que je tue des gens, et ça y est, j'ai tué des gens, ça. Ah ben oui, oui, non mais t'as eu ta période de... Ah, j'étais rageux et tout. Voilà. Moi je le fais en allant jouer à FIFA, tu vois, voilà. Moi quand j'ai mes nerfs à passer, je vais sur FIFA, je mets 8 buts à un mec, je les célèbre tous, je laisse les ralentis, et puis comme ça, après ça va mieux, tu vois. Chacun sa façon de gérer la rage. On va au trailer park ou pas? Franchement, je vais aller là où vous voulez, là où il y aura du stuff, parce que là, tiens, je suis dans la merde. Un sac là. Ah, Fun Torx, moi, ce sera ma dernière. Il est quand même 1h du mat, et même si je travaille pas demain, j'ai pas de quand casque, même être réveillé par mon gosse. Donc, une prochaine fois, Fun Torx, si on est vraiment pas nombreux au départ. Tu sais qu'il m'a volé ma bagnole. Ça arrive qu'on soit pas complet, hein, pour le coup. C'est Yamato. Oui, c'est Yamato qui t'a hijack ta caisse. Ça arrive qu'on soit que 3 ou 4. Ce soir, c'était vraiment bizarre, on était 5, quoi. Ça fait longtemps qu'on avait pas fait des soirées où on était 5. Bon, y'a rien, c'est sur mieux le bar, non? Bah 5 c'est mieux, j'avoue. Hello. Moi, ce sera ma dernière en tout cas ce soir. Ouais, moi je suis parti récupérer ma bagnole. Parce que bon, quand même, ça fait plus de 3 heures de live là. Je commence un peu à fatiguer. Légèrement, quoi. Je me suis retrouvé à prendre un M9, quoi. Je ne suis pas moment, je ne fais pas des streams de 40 heures. À danser en caleçon sur du lorry. Nice. Si vous n'avez pas vu ça, étonné les mecs... qu'il soit pas faire ban, hein, parce qu'il a pas le droit d'être en calbut, hein. Ouais, c'était un calbut long. C'était un calbut long, donc du coup c'était considéré comme un short. Ça jouait comme un short, en fait. Mais bon, c'était surtout rigolo, ça a duré que 2 minutes, et après on voyait pas, tu vois. Un casque. Oui. C'est mis à danser et à chanter du lorry, c'était quand même exceptionnel. Mais c'était pas grave, voilà, je veux dire. Voilà, on a vu son gag. Bah Glerak qui s'est fait ban à cause de ça, hein, mais il était en train de danser, il y a une couille qui dépassait. C'est vrai? Ouais, bah c'est Glerak 2 depuis des années. Alors qu'il y a des nanas qui ont des décolletés assez hallucinants. Non mais pas de problème. Ça c'est différent. Pas tout mélanger. Il y a des clés dans le quad, faut le prendre. Au revoir Yamato. c'est un rocher, c'est ça, un Yamato. Rocher. Oh merde! Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché la bagnole. Alors attends. Viens avec nous, Iso. Ouais, j'arrive. On va où d'ailleurs? On va au nord-est. Where the hood, where the hood, where the hood. Where the hood, where the hood, where the hood. Ah, the nigga in the club and the hood. At. C'est quoi votre métier, monsieur DMX? Bah, moi je suis un rappeur qui crie. Ouais, c'est un peu ça. Niveau champ de vision, vous êtes au maximum, vous. Ah ouais, mais je trouve le trou encore trop petit. Okay.
Je sors parce que la voiture m'obéit plus. Ouais. Ok. Obéis-moi. Bah non, elle veut. Tu peux trouver des excuses pour expliquer ta conduite pitoyable, mais ça passe pas avec. J'arrive pas à éteindre le moteur. Quelqu'un reprend le volant, voilà. Parce qu'elle voulait pas éteindre le moteur. Bah elle est peut-être stock, hein. Aussi, tu te souviens quand on avait stock les sirènes? Si t'as vous pété, bloqué si les t'as, sirènes. Si t'as pété la clé dans le truc. Effectivement, elle est buggée. Oui, on avait stock les. On avait trois voitures de police et les sirènes, elles s'arrêtaient plus en fait. Oh là là. Les sirènes s'arrêtaient plus. Sur les trois bagnoles les... Ouais, les sirènes s'arrêtaient plus. C'était ok, ça a été vidé. Ouais, il y avait des balles de comme fusil à pompe devant. Non. Ouais, tu peux. Il est 1h du mat. Oui. De quoi? C'est Jogo, il a pas entendu. J'ai dit un peu comme mes couilles dans ta. Ouais, putain, je suis passé à 5 viewers. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, Yamato, tu fais beaucoup de promesses. Y'a eu un gros problème sur Twitch ou quoi? Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Passer de 12 à 5. 12 à 5, ça fait bizarre quand même. Vous venez? Ah bah ils sont revenus sur le mien, je crois quoi. Ah mais y'a une voiture là. Putain, les mecs, ils disent que ça a été loot. Y'a une bagnole. Avec les clés et l'essence dedans quoi. Bah ils l'ont pas vu. Parce qu'il y avait une AR mais il y avait plus les munitions. Oh bah, le mec il est bigleux quoi. Il avait peut-être déjà une voiture, il y a des clés dedans. Oui, il y avait les clés et l'essence. Bon par contre on va bouger, hein. On va aller vers la zone quand même. On prend la voiture. Attends, qui remarque celle-là pas buggée, elle est bugée. Ouais, on va peut-être prendre celle qui est pas buggée ouais. Légitimement. Moi je me demande toujours si vos mères sont buggées ou pas. Avec qui pas les mamans. Tiens, j'ai pas beaucoup de balles hein. Tu vas où en fait? Viens, on va tout droit en fait vers le au nord, vers le lotissement là. Le lotissement qui est en entre G4 et G5. Et cool ta vie Yamato. Quel enfoiré. Non mais il va conduire parce que comme ça je suis sûr où on va quoi. Il y a toujours, voilà. Il y a toujours des bonnes idées là-dessus. Laisse-le conduire, laisse-le gérer là où il veut aller. Hein. C'est ça. Ça, il dit plus rien, il est vexé. Non j'arrivais, j'avais un bug, je rechargeais à l'infini mon arme et je pouvais pas descendre de la bagnole. Ah putain mais la vache j'ai la bonne partie. Alors, regarde. Regardez-moi. Regarde-moi. Je te vois tenir ton arme normalement. Putain le sac à dos, le casque. Ah oui non mais il a un look de ouf Yamato. T'as pas mis ton Kevlar de merde. Putain les mecs vous laissez le duct tape quoi. Wouh. Ah peut-être que si je fais une autre action ça va le faire. Pose l'arme et reprends là. Ou alt tab et reviens sur le jeu. Des fois ça marche. Non, tape pas, mauvaise idée. Mauvaise idée. Ah c'est bon. Tu sais que ça marche pas de ramasser la parka. Si ça marche mais pas en jeu. Ça marche dans le lobby. Non mais j'ai essayé dans le lobby tout à l'heure, ça marche pas. Bizarre. Si faut le faire plusieurs fois. Allez. Ah bah oui, je suis toujours là, négatif. Bah ouais, mais pas pour longtemps parce que c'est ma dernière là. Il est tard et même si je travaille pas demain, je commence à faire. StreamYard, c'est le truc qui me permet d'avoir les viewers juste au-dessus de ma tête là. Enfin, les derniers follow au-dessus de ma tête. En fait, je ne demande même pas de venir, c'est le programme qui vient tout seul quoi. Pas très utile, mais. Voilà. Ah bah oui, négatif, c'est plus simple de lire le chat quand il y a que 6 personnes dessus quoi. <C'est>... Tu vas me dire. Même si le jour où j'en aurai plein, j'espère être capable de continuer à lire le stream. Ouais, puis c'est pas comme si c'est pas des fois t'as 100 viewers et les mecs ils sont pas. Oui voilà, ils parlent pas tous. Mais après ça dépend à quelle vitesse. La majorité des viewers c'est des lurkers. Hein. Tu sais, quand je voyais par exemple, j'ai regardé Bruce Granek jouer un petit peu, quand t'as 8000 personnes et que ça spam sur le chat, je comprends que tu puisses pas lire quoi. Et... Bah, c'est pour ça qu'à une époque, Lethal Frag avait mis le subscriber mode et ça l'avait fait chier parce qu'il voulait pas trop le mettre, mais du coup il pouvait plus suivre et du coup finalement il a fini par le retirer avec le temps. Oui, parce que de toute façon, même au final, il y a tellement de subscribers que ça change rien. Ah ouais. Non, finalement, non, c'est même pas ça, c'est que ça a réduit chez lui. Hein. On peut y aller, Yamato. Non, c'est comme il y a les gros streamers américains comme Soda Pop et tout ça, c'est ça bolit. Hein. Sinon, impossible pour lui de lire. Hein. Broadcasting in Québec. Bah, sinon, ouais. Tu lis pas quoi.
De toute façon, à partir d'un moment, tu peux plus lire, tu peux plus suivre, donc tu les lis pas, et puis voilà. Ce dérapage magnifique. Yamato se donne en spectacle, spectacle de conduite. Mais il en fait des beaux, je sais pas comment tu les fais, mais tu les fais bien. Avec la barre d'espace. Non, mais même des fois, moi j'arrive pas à le faire. Hein. Il faut tapoter, je sais pas. Il a appris à maîtriser la voiture. Maîtrise ta monture. Ça serait vraiment marrant, c'est des mecs qui se baladent avec de l'essence dans leur sac à dos. Si tu touches le sac à dos, ils explosent. Ça pousserait à laisser l'essence dans les voitures. Ça pousserait les mecs de Daybreak à programmer pour de vrai aussi. Oui, c'est un peu trop leur demander. Dispatch. Ok. À la caisse, il y a 3 fusils à pompe. Ça a été looté, a priori. C'est pour les caissières, c'est normal. Là, il y a un fusil à pompe au sol. Ça a été bien loot, hein. Je sais pas, en tout cas, fusil à pompe, ils ont rien pris. Ouais, mais qu'ils aiment pas le fusil à pompe. Il n'y a qu'avec des balles ici. Ah, je veux bien la K. Boum, shakalaka. Attends, on a pas beaucoup de loot là. Hein. Ouais, j'ai 120 balles d'AK et beaucoup de loot. On est pas loin, carré bourgeois, t'en fais pas. Je te remercie pour la remarque, cela dit. On est en Allemagne. Oh, on y est dans la. Non, si, on est bien. Par contre, on oui, sera pas temps, dans la prochaine. On va s'installer, hein. Non, on n'est pas dans la prochaine. Bon, on va recréer la race humaine, on est parti. Allez, c'est parti. Ouais, écoute, il y a des tentes. On se retrouve à la station service. Attends, j'arrive. J'étais au rayon floral, j'ai mais j'ai rien j'ai pas trouvé. Au rayon, j'étais au rayon Monsanto. Ça a probablement été looté. Ah non. Il y a une Jeep devant, t'es fou toi. Ouais, donc ça n'a pas été looté. Ou mal looté. Looté, papa looté. Papa looté. Il y a les clés qui ont été prises, mais pas l'essence, donc voilà. On est bon. Bon, ça s'est fini en Allemagne. Ouais, ils étaient pas loin, mais pas. Là, pour le coup, ça va. On était bon. T'en fais pas. C'est ça, c'est pour une fois. Et vos kits médicaux, vous êtes bien ou pas ? J'en ai que. J'en ai zéro. Enfin, non, j'en ai deux, pardon. Deux. Ah oui, on est loin. Les gens qui prennent toutes les balles d'air, à chaque fois qu'on vient. Et... Boum. On est loin de la phase où j'en avais 8. Hein. Allez, viens. Allez, viens, on est bien. Viens, Joko. Je crafte des bandages. Okay, get in the car. Get in the car. It's not very good for the planet. It's using lots of fuel. We need to find a Prius or a bike. Non, par contre, si on décide de longer le gaz à cet endroit-là, c'est pas bon. De toute façon, on est vraiment du mauvais côté. Et on a une minute. Putain, la vache, c'est la savane ici. Pourquoi ? À l'intérieur, tu vois pas toute la. Toute non. L'herbe ? Ah oui, j'avoue, ça a poussé. La nature a repris. J'ai des balles d'AK là pour qui veut. Bon, j'ai une robe à côté de la bagnole. Ouais, on se casse. Allez, ça y est, je lui laisse le volant, il casse la voiture. Putain. Ça râle. Toujours. Il râle toujours. Princesse Sarah, vas-y, cassez-vous. Princesse Sarah, il a sauté de la voiture. Cassez-vous. Non mais... Oh non, non. La rature. Non. C'est cool, négatif. Un seul conseil, accroche-toi. Il s'est mis à FIFA compétitivement. Non, il veut se mettre à streamer avec un pote. Et il dit bah, accroche-toi, c'est un conseil. Ça va pas forcément marcher au début, mais accroche-toi. Non, c'est la vraie phrase à dire, c'est ça va pas ça marcher. Ça va pas marcher du tout au début. Donc accroche-toi. Peut-être que ça va pas marcher du tout dans la main.
Ça dépend, hein, Jogo, regarde. Si tu te mets à streamer et que t'es genre top 10 mondial de Clash Royale, je pense que ça peut marcher, tu vois. Ouais, c'est pas assez bon en jeu vidéo pour ça. Non, mais je vais me remettre à faire des jeux solo un petit peu. Non, aussi. Mais je veux te dire, si t'es top 10 mondial de Clash Royale, tu commences à streamer, tu t'inquiètes, il y a des gens qui regardent. Mmh. Ah oui, non, oui. Ah, mais bon. Enfin, est-ce que Négatif est top 10 mondial de Clash Royale ? Je ne sais rien, je ne suis plutôt rien. Et là, il dit, bah, je suis premier mondial de Clash of Clans. Ah oui, d'accord, ok. Bonjour, j'ai pas de vie. Toujours pas de balles d'AR, moi, j'ai toujours 30 balles en plus de mon chargeur. Formidable. Bah écoute, Négatif, ça dépendra des fois, comme je disais à... À l'autre viewer qui est parti. Ouais, je vais prendre la AK parce que c'est plus que ça dépend vraiment en fait. Ça dépend. Ça, je savais pas. Des fois, il y a des fois, je suis tout seul. Des fois, non. Voilà. Bon, Je prends la AK parce que vu que j'ai pas de balles, dans le doute. Voilà, quoi. Get into the chopper. Putain, something is in the way. C'est la tente. Ouais, pareil. Ok. La tente nous empêchait de rentrer dans la bagnole, quoi. Je suis premier mondial en porn tycoon. Je l'ai vu ce jeu. C'est n'importe quoi. Y'a que de. Ah, attends, je refule. Oh, mais on est dans la zone, on s'en fout. Il y a encore 6 équipes environ, oui, non, mais c'est jamais totalement ça. Il y a beaucoup de gens qui jouent à 3. Non, il peut y avoir plus d'équipes que ça. Regarde tout à l'heure, on était 18, on s'est fait crever, on a fini 14ème. Genre avec Yamato, quand on est mort, il restait 10 personnes. On est mort tous les deux, on a fini 5ème. Cet homme est d'une rare violence. Par contre, ça c'est pas dans la future zone, donc si on y va, il va falloir la faire vite. Mais ils se tirent dessus, ouais, j'arrive pas à identifier. Hein. Je crois qu'ils sont à la ferme en fait. C'est derrière nous. Je crois qu'ils sont à la ferme les mecs qui sont en train de se tirer dessus. Ouais, c'est sud-est à peu près, sud-sud-est. Nord-est, pardon. Ah oui, voilà. Enfin, on va faire genre méga vite ici, hein, putain. Ouais, j'avoue. Mais non, c'est à moitié dans la zone. Été fait. À mon avis, ça a déjà été fait. Ouais, les baraques qui sont ouvertes et tout. Ouais, y'a rien dans les hangars, ouais, ça a été fait. Non, oh, c'est mort. Ouais, c'est complètement vide. Allez, go. Est-ce qu'on a tous notre magnum? Oui. Ouais. J'ai plein de balles. Ouais, moi j'ai que 12 balles. 36 balles, donc. Allez, on y va? Ça va pas de sauter de la voiture comme ça là. Tu me fais flipper, sérieux. Genre, y'a les bombes qui tombent et Yamato il descend de la voiture. Je me suis dit, what? Je vais voir où était l'avion, mais ça veut dire que la caisse est dans le coin. Ouais. Mais est-ce qu'elle a pas déjà été vidée, ça aussi? On sait jamais. À droite, à droite, la voiture. Ouais. En fait, c'est quand il fait ses dérapages, Yamato, ça nous perd complètement au niveau de la... Ah ouais, non, mais... Ouais. Ils sont où ? Mais... À deux, ça safe-ise souvent un combat. Parce que du coup, l'autre, il a du mal à viser une zone ou un truc comme ça, mais là... Ils sont barrés, les mecs. Pas certain, mais... Si c'est le cas, c'est des bons grosses baltringues. Ils étaient peut-être que deux dans la voiture aussi. Putain, mon chargeur d'AK il est bugué à 28 balles. Ah. Ceci était une explosion. Ah mais Yamato, arrête. C'est pas possible. Yamato il crame l'essence en fait. Non, ça va, j'ai de quoi faire, je refuse d'ailleurs. Non, c'est bon.
Les mecs, c'était des pleutres, quoi. Ils sont... Petit rituel, ils sont partis. Les bonbons demain, au cas où chez les gamins qui passent, quoi. Putain, ouais, j'avoue, j'en ai pas beaucoup, moi. Moi, j'en ai pas, les gamins passent pas chez moi. Moi non plus, mais bon, je préfère en prendre un au cas où. Et tu sais quoi, s'ils passent, tu leur donnes des croquettes. Faire plaisir à un enfant qui passe, qui essaye de se faire plaisir, moi, ça me dérange pas, quoi. Magnum. D'ailleurs, pour ça, j'ai marqué Fricandi sur mon van blanc. À la craie rouge. Pour au cas où, comme ça, ils savent bien que pour Halloween, ils peuvent venir dans mon van. Il y a marqué Free Candy. GG l'arbre. Du coup, l'année dernière, on avait acheté des bonbons, il n'y a personne qui est passé. On a bouffé nous. Plein ouest. Ouais, plein ouest. Ouais, je peux pas tirer dessus. Il est lit à gauche, il est très très loin, je fais. La voiture, elle doit être en train de fumer sa mère. Quoi. Get into the car. Oh, une autre voiture. Sud-sud-ouest. Vite. Non. C'est pas grave, on est entre des cailloux, allez-y, on se bat. Là. Ça nous tire dessus de l'autre côté. Ouais. La bagnole. Vas-y, je sais combien la bagnole. Ouais, j'ai pas vu. Vite, montez, on se casse, on est trop loin. Non, j'ai pas de balle, montez, on se casse. Ouais. 70. Oh, ils vont tellement vite. La voiture devant là. Pas tirer dessus. Ouais. Ils ont continué à rouler. Ouf. Wow. C'était pas voulu ça. Le airdrop il est derrière nous. Il est à. Ah, mais ça a rien d'y aller, on va se retrouver coincé entre différentes personnes. Oui, mais on peut aussi se poser en attendant parce qu'il y a d'autres mecs qui arrivent, tu vois. Aussi. Ouais. Putain, mais j'ai pas de balles d'AR moi, s'il vous plaît, le jeu quoi. Bah, je suis sûr que tes petits camarades ils gardent tout pour eux. Non, moi j'ai pas d'AR. Tu vois, c'est direct au moins. Du coup, j'ai une AK, mais je vais me servir de l'AK, écoute. Hein. Moi j'ai pas d'AK, mais. Une AK, je compte mes balles, comme on dit. Vite. On reste mobile. J'ai deux chargeurs d'AR. Play Attends, mobile. Je refuel. Les histoires. Merde, putain. Go. Mobile, je vais niquer des darons. Bah, tu vois, faut tuer et looter, je suis bien d'accord avec toi, carrément Jean. Ah, mais c'est ça se trouve, on va tuer des mecs. Si on les tue, on va non, se faire. Non, mais il y en a un, je suis à gauche dans la montée là, je l'ai mais défoncé quoi. Je l'ai touché 3 fois, il a saigné et tout, et je comprends pas pourquoi il est pas mort parce que vous avez tiré aussi dessus quoi. Ouais, mais j'en ai shooté. Faut que tu communiques un peu, Yamato, sur la manière dont tu te déplaces parce que. A chaque fois, c'est on sait pas trop à quoi s'en tenir, quoi. On peut être pas très loin de la zone, pour le coup. Le grand méchant Irilio m'a time out, ce héros funky. Je crois qu'on est dans la zone. Ouais. Tu fais théorie. Je sais pas si on est dans la prochaine zone. Elle est dure à identifier, cette map. Pas grave, même si on n'y est pas, on est pas trop mal. Bon, on a une voiture encore, donc... Donc oui, si on n'y est pas, on n'aura pas à rouler beaucoup. N'empêche, j'aimerais souligner que nous sommes encore 4. On a rien comme équipement, mais on est encore 4. Ouais, c'est ça. Et je t'ai dit, c'est toujours quand on n'a pas grand-chose qu'on survit longtemps, parce qu'on fait attention, on fait pas n'importe quoi. Quand on est surarmé, on fait nawak. Sauf que Yamato, quand il conduit, il fait un peu n'importe quoi. Quand même, avouez. À un moment donné, faut le dire. À un moment donné, faut discuter, hein. Faut s'avouer les choses, n'est-ce pas. Moi, je tenais à le dire. Que cet homme fait partie du complot judéo-maçonnique, hein? Les Illuminati. Nous parlons pas de tristitude, mais bien et bien de négritude. Bon. Craquage complet. Il s'en va avec sa voiture, il est comme choqué.
toute la gare en fait. Mais il la replaçait pour le meilleur départ possible si jamais il faut qu'on bouge nos culs. Exactement. Je pourrais faire griller des merguez sur ce capot. Tout de suite, des merguez? Pourquoi pas des boulettes pendant qu'on y est? J'ai commencé, j'ai mis la merguez et les boulettes. Iso, oui. tu veux... Regarde, tu fais cuire ma merguez et les boulettes. Des gros dégueulasses. Tu veux goûter? Tu viens tâter mes boulettes. C'est un tu peu veux ça. Goûter ma merguez et mes boulettes? Pas Iso, une boulette, comme on dit. T'as envie de toucher à ma merguez? Ouais, Iso. Hein reviens là, reviens là, Saligo. Je l'imagine en train de tenir son micro. C'est hyper anxiogène quand tu vas sur le micro. C'est clair. Est-ce que tu veux pratiquer l'illustration phallique sur moi? Tu es en train de... Reviens là, petit Saligo. Oh, je te vois pas. Viens là, viens me faire un câlin. Et après, on s'étonne qu'on gagne pas, tu sais. Tu fais tellement n'importe quoi pour moi. Fais-moi un bisou. On se fait repérer. Prends-moi dans tes bras, Iso. Ils ont pas dans tes bras. Moi, ils ont tes bras avec ta parka. Regarde, je suis là, je te fais coucou. C'est censé être moi le stalker, tu sais, avec la parka jaune. Ouais, sinon, là, ça joue tous safe. On n'en est pas là. Mais c'est pas faux. De quoi? Il dit vous risquez de devoir sortir dans du gaz en slalomant entre les arbres. Bah ouais. Allez, montez dans la bagnole et mettez-vous un. Ouais. Pray in the car. C'est toi qui conduis, Iso. Ah merde, je pensais qu'il était déjà dedans. Vas-y, Yama. C'est bon. Attends, je fais un bandage. Go. Attends, regardez le gaz. On va voir si le gaz bouge. Il bouge derrière nous. Mais alors, très très peu, hein. Ouais, mais parce qu'on doit pas être très très loin. Ça se trouve, en fait, en étant dans les arbres, on est bien. Moi, je pense qu'on est dans la zone, honnêtement, parce que ça paraît vraiment être une zone de fin. Avance un peu, ouais. Avance encore. Avance encore. On n'est pas dedans. Non mais dans les arbres, on est bien. Oh, salut Urwall, comment ça va? Avance. Ah, Urwall, le respect. Il débarque avance, à 1h15 avance. Ah mais je vais bien le rocher, là. Avance. Oh, on garde le rocher, arrête-toi le gaz. Non mais parce qu'eux ils sont à l'arrière. C'est ça en fait, ouais, nous on est à l'arrière. Ouais. Il y a une bagnole au est-nord-est. Est-nord-est? Ouais, oui. Vu. À travers les arbres vous la voyez pas mais okay, c'est bon. Ok, ça s'est arrêté. Coupez le moteur maintenant. Vu, ouais, je la vois. Une bagnole de police plein est. Pense à la planète. On n'est pas du tout dans la zone. Plein est de là où je regarde, Jogo. Venez, on se casse. Il y a une voiture de flic à l'est, donc les mecs ils doivent être posés dans la forêt. Ils doivent être posés dans la forêt, là 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 là. Ah oui, on n'est pas du tout quoi. C'est à l'opposé de nous. Ouais, j'avoue. We are in deep shit. Nous on est quatre, je pense qu'il y a au moins encore deux voire trois équipes. Au moins oui. Enlève le moteur quand tu vas là. Parce que là à mon avis c'est le moment où on peut trouver des gens. Rejoins-nous, voiture. Ouais, vu, il y a que Jogo qui peut tirer dessus. Vite. À droite aussi. À gauche. Ouais. À gauche aussi, ouais, il y en avait deux derrière un arbre. Kevlar. Putain, on est en très mauvaise position, on est con. Non. Il nous voit ou pas? Les casqués. Enfin gaffe parce qu'en gros il y avait une voiture hein, donc. Bah rushez-le du coup. Non on peut pas. On y va en bagnole, on les rush. Allez. Ouais, vas-y go. C'est toi le pilote. Allez. Non, Rilio, tu fais quoi là? Tu fous quoi? Ah super. Ah ils ont gazé. C'est du gaz. Non c'est Rilio, on est mais beaucoup trop loin. Attention ça va être sur la droite. Top. Vas-y, on descend. Vas-y, non mais. Oh non, on est tous descendus au même endroit, mais Kelly. Il y en a encore deux. Ah non, c'est. Ah putain, il y en a encore un à droite aussi. Un à droite en plus. Je me repasse un miracle. Merde. Un de vie. Ah, Jogo mort. Zéro de vie.
Putain, je t'avais vu oh, mort. Oh, t'as survécu. Je t'avais vu mort, t'avais la tête de mort. Hein. Moi aussi. Ouais, je suis descendu à zéro. Holy shit, t'es la chatte. Laisse-moi le loot sur celui-là, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de me soigner et tout ça. J'avais des kits sur moi, j'avais un kit. Oh, non, j'ai pas tiré dessus, Gwen. Non, non, j'ai pas tiré dessus. Non, non, soyons clairs, je n'ai pas tiré dessus. J'ai regardé, j'ai pas tiré dessus. Merde, faut qu'on se casse. Vite, Jogo. De toute façon, comme je disais, moi c'était ma dernière. Donc voilà. Fatigué quand même, à force là. Ça fait bien plus de 3h30 que je suis en train de streamer, j'en peux plus. En tout cas, merci d'être passé. Il y en a qui sont passés, il y en a qui sont repartis. Oui, non, mais j'ai failli tirer Gwen. Je veux voir à quel point j'étais fatigué. J'ai cru que c'était un mec au départ. Je lui fais ah, et puis je me suis retenu. Je fais non, c'en est pas un. Mais voilà. Donc, je suis fatigué. Je vais aller me coucher quand même. Ça fait une longue session là. Donc sur ce, merci d'être passé, merci d'être resté, il y en a qui sont passés, il y en avait plein, à un moment on était à 12, puis d'un seul coup on est retombé à 5, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc je vous souhaite une excellente nuit, bon courage à ceux qui vont travailler demain, ce n'est pas mon cas. Et donc à très bientôt, peut-être demain soir, je sais pas encore, si je stream demain soir, en tous les cas j'espère vous retrouver nombreux. Sur ce, bonne nuit, et à très bientôt.